J'ai bien écouté ta demande, donc tu m'as demandé donc de déban un mec, ouais. Attends, je regarde si en termes de connexion je suis bon, ouais, 38 millisecondes. Du coup, tu m'as dit, il y a quelqu'un qui a été banni. Vas-y, ça m'étonne, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui se font bannir sur ce serveur. C'est un serveur Et français. regarde dans ses messages, il avait rien mis, je crois, parce qu'il n'était pas actif, et puis il était venu, mais il avait mis aucun message, genre. Tu peux regarder, tu peux le retrouver, il avait vraiment rien mis, rien S'appelle comment? C'est où qu'on regarde les mis. bans? Viaduct, il avait mis dans le cours de récréation de message. Enfin, c'est un pseudo. Il s'appelle comment? Je l'ai copié-collé dans le cours de récréation, c'est Viaduct avec un Y et un CT à la fin. Viaduct. J'espère qu'il n'a pas de caractère bizarre dans son pseudo, parce que sinon je vais pas réussir à trouver. Vyaduct. Vyaduct. Non. Vyaduct. Personne. S'appelle comme ça dans les bannes. Et essaye Faldus. Parce que c'est bizarre. Faldus, F-A-L. V. De quoi V? Faldvius. F-A-L-V-I-U-S. Faldus. Non, je vois personne, mais attends. C'est incroyable. J'arrive pas à l'inviter en fait. Je regarde. Tu Alors, dans la mystery. liste des bans, je vois Léon Hack, Nosing, mais après, Après, il a un pseudo qui s'appelle V6, peut-être que c'est ça qui sort. Enfin, parce qu'il y a deux pseudos sur Discord maintenant, ouais, il y a deux d'utilisateurs. pseudos, mais par contre, là, le deuxième pseudo, maintenant on peut plus le voir, le deuxième pseudo. Enfin, dans la liste des personnes bannes, on peut pas l'avoir. On peut voir que l'un des deux pseudos, c'est celui qui peut avoir les caractères spéciaux, les caractères spéciaux qu'on peut voir. Donc là, par exemple, je vois Léon Hack qui a été banni par Hotman. Non, c'est pas lui. Nos... Ouais, Cantal qui a été banni par pareil. Bref. Il a une pépé où il y a du noir. Une pépé, il n'y a que du noir. Moi, j'en ai trouvé un Bonjour. qui s'appelle TKT. Non, TKT01. pas le pâté caté. Mais c'est louche, hein. C'est une vague fumisterie, moi je dis, hein. Ah, dites-moi bonjour. J'ai dit Bonjour, bonjour. bonjour, D'accord. Alors, bonjour, bonjour, bonjour. je comprends pas le nouveau Discord parce qu'il y a eu plein de mises à jour. Alors, du coup, Elrond, c'est bon, il a rejoint. Comme ça, il va pouvoir faire les petits commentaires. Vous avez bien rejoint le stream, Twitch et tout là. Non, moi je vais quitter, mais force à toi et je regarde de chez moi. Ah là là. Vous Voilà. allez bien les deux là? Oui, on va bien, Mathis. Alors, il faut que je retrouve les images. Attends. Pourquoi il s'est barré l'autre là? Attends, il est où l'image là que Elrond m'avait envoyée? T'es là, Elrond? Ouais, mais tu sais que je t'entends bas, genre je sais pas pourquoi. Ah ouais? Tu m'entends Ah après? bah. Bon, j'ai pas non plus un micro Ah de bah ça va malade mieux d'un mental. coup. Moi aussi, je t'entends assez bas. Je regarde. Attends, Mais ah, mais moi attends. après, je peux augmenter ton son. Vas-y, je te mets à Non mais 200%. voilà, sinon je vais changer un truc. Par contre, Mieux dans le normalement. stream, vas-y parler juste. Ouais, Ah je ouais. peux parler. Ah ouais, là il y a un truc, j'ai un peu peur, c'est que ça stream en double le son que j'entends. C'est-à-dire par exemple si vous parlez.
J'ai peur que ça stream en double. Bon. Je trouve plus le sujet du bac que tu m'as envoyé. Je Ah vais bah faire. attends, je vais remonter, je vais le... Je vais faire from. Sinon, il y a des trucs comme ça, la from. Oh, ça bug. Hop, je le renvoie avec un point. Vas-y. J'ai mis un point. Alors, ok. Quelqu'un peut me dire, il y a combien de viewers? Bon, là, à mon avis, il ne doit pas y en avoir des masses. Copier l'image. Bon, de toute façon, on ne va pas attendre les gens parce que si on devait les attendre, on attendrait 10 ans. Hop. De toute façon, moi, je suis en train d'enregistrer en même temps. Après, je vais reposter sur YouTube. Voilà. Allez, hop. Ça copie l'image. En fait, moi, ce que je suis tenté de faire, c'est de pas prendre toute l'image. C'est de pas prendre toute l'image. Il y en a qui sont sur le stream là pour voir si on voit bien. Je vais recharger la page parce qu'il a bug. Je vais juste capturer l'exercice numéro 1. Comme ça nous fera de la place et pas de mettre toute la page. Donc si j'ai bien compris, il y a combien? Il y a 4 exercices. Alors, on va faire CTRL F. Non, attends. Comment c'est pour faire un retour en arrière? CTRL Z plutôt. Je sais pas pourquoi j'ai dit CTRL F. Hop. C'est bon, est-ce que au niveau du... Ouais, ça va. C'est bon, le stream il marche? Oui, il marche, il marche. Ok, allez, moi je peux commencer à lire. Et après, si tu as envie de faire des commentaires en fonction, parce que là, toi, ça veut dire que tu sors, c'est quoi, il y a 1 heure et demie que tu es sorti de l'épreuve, environ 1 heure et demie, un petit peu plus. Ouais, il y a deux C'est heures, quoi hein. ta chaîne Twitch, Peut-être trois. maître? Maître? Ryan TripleVTK. J'écris dans le Ryan Ryan TripleVTK. TripleVTK. Ouais. Je sais pas si j'ai bien écrit, attends. Ah mince, attends. Je vais chercher. Bah tiens, regarde dans le chat, il y a le lien. Attends, je retourne sur le lien. Merci. Allez, du coup, on commence à lire. Donc chacune des affirmations suivantes. Non, pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse. Chaque réponse doit être justifiée. Une réponse non justifiée ne rapporte aucun point. Donc on considère la fonction f définie sur R. Je regarde bien juste si ça enregistre bien, parce que j'ai mis des... Ouais, c'est bon. On considère la fonction f définie sur R par... C'est bon, je me suis abonné à Ryan. Ah, trop cool. F de x égale 5x fois exponentielle moins x. Bon, allez, moi je vais regarder ton stream. À Merci. plus. Allez, à plus. On note CF, la courbe représentative de f dans Au un revoir et repère. bonne soirée à Allez, tous. au revoir. Dans un repère orthonormé, affirmation 1, l'axe des abscisses est une asymptote horizontale ACF. Affirmation numéro 2, la fonction f est solution sur R de l'équation différentielle y prime plus y égale 5 exponentielle moins x. Donc déjà une asymptote horizontale, ça veut dire que la courbe va se rapprocher de d'une droite qui est horizontale, qu'on appelle donc l'asymptote horizontale. Je vais faire un petit dessin. Hop, je prends le stylo. Imaginons qu'on a d'abord je trace un axe, je vais faire des traits droits, ça va être peut-être mieux. Hop, hop. Si mon axe il est comme ça, si par exemple ma courbe elle est, on va dire, je sais pas, comme ça, hop, 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 elle se rapproche d'un point, eh bien on va dire que ça par exemple ça va être une asymptote, je vais le faire en vert, hop, je vais le faire en vert. Ça veut dire que là, bon bah graphiquement on peut conjecturer que la courbe, enfin que la fonction va admettre une asymptote horizontale. Donc finalement pour admettre une asymptote horizontale, c'est équivalent au fait que la fonction f a pour admet une limite en plus l'infini, et en l'occurrence une limite finie.
regarde donc 5x fois exponentielle moins x. Nous, ça veut dire qu'il faut démontrer que la limite de f en plus l'infini vaut un nombre fini, existe et vaut un nombre fini. Donc on voit déjà à peu près que on va avoir une forme indéterminée parce que j'efface un peu que mince. Pas tout effacer, hop, juste j'efface ça. Que on voit que x va tendre vers plus l'infini, mais que exponentielle moins x va tendre vers moins l'infini. On identifie déjà une forme indéterminée. Donc si on calcule limite, ah, j'arrive pas à écrire pareil, hop, c'est pas grave, hop, limite de f. De x. Je vais directement écrire l'expression de x, donc 5 x, bon, je me suis trompé, x exponentielle moins x lorsque x tend vers plus l'infini. Ce terme-là va tendre vers plus l'infini, ce terme-là vers 0, donc ça nous donne une forme indéterminée. Et bon, bah, quand on a une forme indéterminée avec de l'exponentielle, très souvent, en tout cas en terminale, ça va être le théorème des croissances comparées. Donc le théorème des croissances comparées notamment dit que exponentielle de x sur x, bon là j'écris ça on va dire que c'est mon brouillon pour rappeler les petites formules, lorsque x tend vers plus l'infini, lorsque x tend vers plus l'infini, ça va valoir plus l'infini. Pourquoi est-ce que ce théorème s'appelle le théorème des croissances comparées? Parce que dans ce théorème, on compare justement la croissance d'exponentielle avec la croissance de x. Et quand on dit que le résultat de cette limite est plus l'infini, on est en train de dire que exponentielle est plus forte que x. C'est pour ça qu'on dit des croissances comparées. Mais si on passe à l'inverse, on aura donc x sur exponentielle de x. Je rappelle avec la notation des puissances strictement négatives, exponentielle moins, ça revient à x fois exponentielle moins x. Donc si on utilise cette propriété qu'on passe à l'inverse, ça fait que ça va tendre vers plus par ça va tendre vers 0. Lorsque x tend vers plus l'infini, ça va tendre vers 0, en l'occurrence vers 0 plus. Bon, est-ce que ça nous intéresse le fait que ça tend vers 0 plus? On verra ça plus tard. Donc, bah, d'après le théorème des croissances comparées, ce morceau tend vers 0 et par produit égale 0, en l'occurrence 0 plus. Donc, vu que la limite est c'est un nombre réel, on peut préciser appartient à R, eh bien, on a démontré que effectivement l'axe des abscisses est une asymptote horizontale. Je répète, c'était peut-être un peu mal expliqué, j'avais dit une asymptote horizontale, c'est lorsqu'il y a une droite donc horizontale. Là en l'occurrence on avait dit l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, si je fais un petit dessin. Bon après je ne vais pas non plus passer trop de temps sur la question numéro 1. On a une courbe qui fait comme ça, hop, 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 qui se rapproche. Quand on dit que l'axe des abscisses, je rappelle, l'axe des abscisses, c'est tout simplement, on sera en train de dire que ça, c'est une asymptote. C'est-à-dire que la limite, en plus l'infini, vaut 0. J'avais pas lu le début de la phrase parce que j'avais pas lu tout l'énoncé au début, enfin, j'avais pas lu l'intégralité de l'affirmation. Donc tout ça, c'est équivalent au fait que l'axe des abscisses est une asymptote horizontale, donc vrai. Affirmation numéro 2, la fonction f est solution sur R de l'équation différentielle y' plus y égale 5 fois exponentielle moins x. Donc là, on nous donne déjà une solution potentielle. Il suffit de vérifier si ça fonctionne. Je propose d'effacer. Hop. Donc, comment mener le calcul? On peut simplement commencer par calculer f' de x. F' de x, le but c'est de d'abord calculer f' de x
puis f2x, bon bah c'est déjà donné, ensuite d'additionner et de regarder si le résultat de cette addition donne 5 fois exponentielle moins x. Donc f' de x, donc on a un produit, 5x fois exponentielle moins x, donc on va rappeler la formule égale u' v u' de x fois v de x plus u de x fois v' de x, où u de x et v de x sont nanana nanana. Donc là on fait une identification. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire que u, ça va être, je le mets en rouge, on n'a qu'à dire que u, ça va être cette partie, et que v, ça va être celle que je vais mettre en vert. Donc là maintenant, on va poser, on va définir nos notations où u de x égale 5x et v de x égale exponentielle moins x. On peut calculer ici à côté, on va écrire donc u prime de x c'est égal, bon bah quand on dérive, hein, c'est un c'est une fonction affine, hein, donc très facile, ça fait 5, je ne reviens pas là-dessus. V prime de x. Alors, je propose qu'on fasse le calcul rapidement. On est de la forme exponentielle de u, c'est-à-dire qu'on va avoir une fonction dans exponentielle. Donc là, c'est la dérivation de la composée avec une exponentielle. Donc ça va valoir la même chose. Exponentielle moins x fois la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur. Quand on dérive moins x, ça nous donne moins 1, donc il va y avoir un coefficient multiplicatif moins 1 fois, donc moins 1 fois, on écrit juste le moins, exponentielle moins x. Ok, donc là c'est bon, on a calculé tout ce qu'on avait besoin de calculer, donc f' de x. F' de x, maintenant on n'a plus qu'à appliquer la formule. On a dit u' v, donc 5 fois 5 exponentielle moins x, plus uvx, ce qui nous donne plus 5x fois moins exponentielle de x, ce qui nous donne, allez, on fait le calcul de tête, moins 5 exponentielle moins x. Alors, je suppose qu'on peut factoriser, je ne sais pas si j'ai oublié le x. J'ai oublié le x qui vient du u de x, 5x exponentielle moins x. Est-ce que c'est intéressant de factoriser? Bon, on va quand même factoriser au cas où. Donc, on peut, le facteur commun, on peut identifier que c'est 5 fois exponentielle moins x, donc facteur 1 moins x. Donc, quand on redistribue, c'est bon, on retombe bien sur nos pattes. 5 exponentielle moins x fois 1, bah, ça retombe ce qu'on veut, et hop, on fait fois moins x, c'est bon, très bien, on a fait notre vérification. Ensuite, on a dit finalement, nous, ce qu'on aimerait calculer, c'est f' de x plus f de x, on a juste à tester, et la question c'est, est-ce que après on va tomber sur 5 fois exponentielle moins x? Alors, donc, bon, moi là je suis en train de sentir que ça va être pénible d'utiliser la forme factorisée, et donc en fait ça ne nous a servi à rien, on va prendre la forme développée, ce qui nous donne donc 5 fois exponentielle moins x moins 5x exponentielle moins x. Donc ça correspond au f' de x, j'utilise des couleurs pour qu'on comprenne bien, ça, tac, ça correspond à ça. Et plus f de x, donc c'est écrit dans l'énoncé, c'est 5x fois exponentielle moins x, hop, on écrit plus 5x exponentielle moins x. Bon, bah, il y a une simplification évidente, hein. Hop, je vais les mettre en vert, une simplification qui est évidente, hop, ça correspond à ça, une simplification qui est évidente, donc
ce terme et ce terme se simplifient. Et ça nous donne tout simplement 5 exponentielle moins x. Donc on regarde l'énoncé. Est-ce que l'affirmation 2 est vraie? Bah effectivement, donc on a pu voir que c'est effectivement vrai que si f de x égale y, enfin si y égale f de x, ça nous vérifie, ça rend vraie l'égalité de cette équation différentielle. Ok, donc ça aussi c'était vrai. Bon, je ne fais pas la rédaction complètement. Ensuite, question numéro 2. On considère les suites UN, VN et WN telles que constante naturelle. Ok. Tac, tac. Donc, ok, UN c'est le plus petit, VN il est au milieu, WN c'est le plus grand. Et c'est pour toute entier naturel n de plus, la suite UN converge vers moins 1 et la suite WN converge vers 1. La suite VN converge vers un nombre réel L appartenant à l'intervalle moins 1, 1. On suppose de plus que la suite UN est croissante et que la suite WN est décroissante. Ok. Alors, donc la suite UN est croissante et c'est la plus petite. Donc je propose qu'on fasse un petit dessin. Hop, tac, tac, tac. Donc la suite WN, hop, on va d'abord faire le un petit repère. Hop. Je regarde juste si le tout se passe bien sur le stream. Je regarde s'il y a des messages sur Discord. Non, j'ai pas l'impression qu'il y a des messages sur Discord qui parlent du stream. Ok. Maintenant, on a dit. Bon, je sais que c'est des suites, mais comme c'est un peu pénible à représenter les suites, je vais faire comme si c'est des fonctions pour leur représentation graphique. On a dit c'est le plus petit et c'est décroissant, et ça converge vers moins 1. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse des axes, l'axe des ordonnées qui va plus bas. Hop, il n'y a qu'à dire que ça va de là à là. Hop, tac, tac, tac. On n'a qu'à dire que ça fait comme ça. On va mettre en rouge. Donc elle est décroissante. Et elle converge vers moins 1. Ensuite, on va mettre la suite WN. Bon, je vais dire que ça c'est UN. Ça représente la suite UN. Ça, on va dire que vu qu'en fait c'est pour tout n, donc ça veut dire que là je peux pas partir plus en bas. Donc là ça veut dire que bon, d'ailleurs j'ai mal commencé, on va bien le commencer à 0. Et on va dire que c'est comme ça. Hop. Et là elle est croissante, la suite WN. La suite WN. Alors attends, est-ce que j'ai bien dit? Est-ce que j'ai bien lu? De plus, la suite. Considère la suite en pour tout entier. Donc, UN c'est plus petit. UN converge vers moins 1. Ah, de plus, la suite. Okay. La suite VN converge vers un nombre réel 1. On suppose de plus. Alors, là, je crois que je viens de mal lire l'exercice numéro 1. J'ai mal lu, je pense que ça va avec l'affirmation numéro 4 et que ça, on s'en occupe pas du tout pour l'affirmation numéro 3. Affirmation 3, la suite VN converge vers un nombre réel. Ouais, non, pour moi, ça, on suppose, je l'ai mal compris. On ne le lit pas du tout avec l'affirmation numéro 3. Donc, je vais effacer ça. La question, en fait, est beaucoup plus facile. La question est beaucoup plus facile. Là, on est en train de se demander est-ce que,
petit. EN est plus petit, WN c'est le plus grand, mais que lui il converge vers moins 1, lui vers 1. Est-ce que VN converge forcément? Eh bien, on a plein de contre-exemples, mais on peut utiliser on peut s'aider d'une fonction trigonométrique qui va de moins 1 à 1. La suite VN va pas Plus, mais forcément. on t'entend plus sinon. Ah Comment? bah ouais. Non, rien. Mais ouais, je vais manger, je reviens après. Vas-y. Donc je disais que la suite, on peut trouver un contre-exemple pour la suite VN. Imaginons qu'on prenne la suite UN, qui est définie par son terme général, UN égale moins 1 pour tout n, et WN, la suite de termes qui est définie par son terme général, WN égale 1, et qu'on prenne VN qui est égal à, prenons une quelconque fonction trigonométrique, par exemple cosinus n, bon, c'est pas important, on pourrait même prendre moins 1 puissance n si on le désirait. Allez, on va prendre moins 1 puissance n pour dire que, ça nous donnerait quoi comme. Voilà, c'est en train de bugger, ça nous donnerait quoi comme représentation graphique? Tac, tac. Comme j'ai dit, je vais utiliser comme si c'était des fonctions pour leur représentation graphique parce que j'ai pas envie de faire des points, ça va prendre trop de temps. Ça ferait comme ça. Hop. Ça, on va mettre en bleu. Ça va faire comme ça. Hop. Et on va mettre celui-là en rouge. Non, j'ai déjà utilisé le rouge. On va le mettre en jaune. Tac, tac. Eh bien, ça va d'abord faire. En gros, ça va faire ça à la suite. Donc là, bon, ça fait ça. Bon, moi, je relis les traits, hein, bien sûr. Évidemment, c'est une suite. Les traits vont pas être liés. C'est juste pour vous montrer parce qu'on voit pas très bien le jaune. On a bien là une suite qui respecte cette inégalité, cet encadrement. Mais on a UN qui ne converge. Mais la suite VN ne converge pas, n'est même pas convergente en fait. Elle est divergente. Elle se rapproche de rien. En plus, l'infini, ça fait comme ça fait des dents. Ok, donc ça c'est faux. On va le mettre en noir. Faux car on a réussi à trouver un contre-exemple. Ensuite, on va lire l'affirmation numéro 4. D'abord, on suppose de plus que la suite UN est croissante et que la suite WN est décroissante. Affirmation 4, pour tout entier naturel N, on a alors U0 plus petit que VN, plus petit que WO. Alors, il faut que je relise. On suppose de plus que la suite UN est croissante, ok, et que la suite WN est décroissante, ok. Pour tout entier naturel n, on a alors U0, ok, qui est plus petit que VN, qui est plus petit que W0. La question en fait elle me paraît un peu bête. La question me paraît un peu bête parce que quand on regarde bien. Quand on regarde bien l'énoncé, on a vu que je l'ai déjà encadré en jaune, je voulais l'encadrer en rouge. Donc on a pour tout entier naturel n, on a un qui est plus petit que vn, qui lui est plus petit que wn, c'est-à-dire pour tous les entiers naturels n. Ça veut dire que u0 est plus petit que v0, qui est plus petit que w0. Alors attendez. Je suis en train peut-être de dire une bêtise. Je suis en train de dire une bêtise là. C'était un petit
piège. Donc on va pareil mettre un contre-exemple. On va d'abord mettre un contre-exemple. Donc j'étais sur le point de dire de grosses bêtises. Donc j'ai bien fait de m'arrêter de parler et de réfléchir avant. On va donc donner un contre-exemple. On va garder le même. On va se dire. On va juste faire un petit schéma pour céder. On va juste faire un petit schéma pour céder. Maintenant, on va dire que UN, elle est croissante. Alors, UN est croissante. Ok. Ça veut dire que UN, elle est croissante. WN va être décroissante. Hop, ça va faire comme ça. Ok. Ensuite, VN. On sait que VN est entre. Toujours entre. Et là, on va mettre WN. Par exemple. Ah, ok. Par exemple, je peux mettre WN comme ça. Ok. Ok. Non, j'ai compris. Donc effectivement, ça va être vrai. Je vais l'expliquer pourquoi. Donc, on va écrire que WN comme WN est décroissante. Donc, on va avoir que W0, je vais l'écrire dans ce sens, que WN est plus petit que son premier terme. Forcément. On peut voir la situation qui est en jaune. On voit que W0, vu que la suite WN est décroissante, W0 va forcément être plus grand que tous les autres termes de la suite. Donc pour n appartenant à n. De la même façon, on a UN qui est croissante. Donc UN va être plus grand que son premier terme. Je vais l'écrire dans l'autre sens pour qu'après on va pouvoir, pour qu'après on va tout mettre dans une seule inégalité, dans une seule inégalité. Ok, donc U0 est plus petit que UN. Finalement, si on réutilise l'énoncé, on sait que UN c'est la plus petite des trois suites, que UN est plus petit que VN. Je vais mettre un VN est plus petit que WN, mais on vient de voir, on va pouvoir utiliser la transitivité de la relation d'inégalité, et vu que WN, on sait qu'il est aussi plus petit que W0, on va pouvoir mettre plus petit que W0, idem ici, on va pouvoir mettre que U0 est plus petit que UN. Donc à la fin, on peut dire donc U0 qui est plus petit que VN qui est plus petit que W0. Hop, donc le dernier était vrai. Ok, bon moi je propose qu'on regarde l'exercice numéro 2. J'efface tout. Hop, j'efface tout. Et je passe à l'exercice numéro 2. Alors, il faut que je récupère l'exercice numéro 2. Alors, exercice numéro 2. Hop. Exercice numéro 2.
2. Regarde juste si tout se passe bien sur le stream. Ok. Alors, je regarde, est-ce qu'il est en deux images? Déjà, je vais mettre la première image que j'ai mise. Il n'y a pas les questions, c'est-à-dire qu'il manque une image. Je vais dire parce que j'ai perdu une image là. Attends, on peut plus mettre forme. Alors la deuxième image. Il y a combien d'images pour l'exercice numéro 2? Ah, il y a juste une deuxième image. Ok, donc copier l'image. Hop. Et je le mets là. Alors là, ça risque de prendre beaucoup de place. Hein. Je vais supprimer. Je vais pas mettre toutes les questions. Je vais juste mettre jusqu'à la question 5. Comme ça, on va faire ça après. Question 5. Hop. Donc, ça, on va mettre ça comme ça. On va pas avoir beaucoup de place pour écrire. Ça va être pas très pratique. Et là, hop, coller. On va faire du mieux qu'on peut. On a un petit espace. Alors, on va le dire. Donc, une agence de marketing. En réalité, souvent, le texte du début sert à rien. Donc, on va essayer de lire en diagonale. 70% moins. Si A est un événement quelconque, on mettra A à la clé. Reproduire et compléter l'arc ci-dessous. Donc, en gros, il y a IMG. On va regarder qu'est-ce que c'est I, qu'est-ce que c'est G. Donc, le client a effectué son achat sur Internet. M, le client a effectué son achat en magasin d'électroménager. G, le client a effectué son achat en grande surface. Ok, maintenant on va lire les données. Les achats sur Internet représentent 60% des ventes. Ok, donc ça veut dire que Internet, 60%, 0,6. Ok. Ensuite. Les achats en magasin d'électroménager 30%, donc 0,3. Et donc ça veut dire que comme IM et G forment une partition de l'univers, ici il reste 0,1, 10%. Ok. Ensuite, événement S, le client est satisfait du service clientèle. Ok. Une enquête montre que la proportion des clients satisfaits du service clientèle est de 75% pour les clients sur Internet, 90% électroménager et 80% en grande surface. Donc là, toutes les données sont, ont été données. Donc 75, 90, 80. Donc 75, 0,75. Je crois que c'est 90 et 80 après. Ouais, 90 et 80. 0,9. 0,8. Donc là, hop. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire les complémentaires. Si 75% des clients sont satisfaits, ça veut dire que 0,25, une probabilité de une proportion de 0,25 personnes ne sont pas satisfaites. Ici, le complémentaire à 1, 0,1. Ici, s'il y a 80%, enfin, 80%, ça veut dire qu'il va y avoir 20%, donc 0,2. Hop. Donc je rappelle la règle, quand on additionne deux branches qui viennent du même nœud, le résultat doit faire 1. Ok, donc ça c'était la question numéro 1. Calculer la probabilité que le client ait réalisé son achat sur Internet et soit satisfait du service client. Donc concrètement, si il a acheté sur Internet, c'est-à-dire c'est P de I, et on veut qu'il ait acheté sur Internet et
que il soit satisfait, donc inter s. Et donc formule qui vient du programme de première, ça vaut p de i fois p de s. Oh, j'ai mis une petite parenthèse, hop, fois p de s sachant i. Donc là, toutes les données sont écrites sur l'arbre. Donc p de i, on avait dit 0,6, 0,6 et p de s sachant i, 0,75 fois 0,75. Donc voilà, j'ai pas de calculatrice sur moi. Je propose qu'on fasse le calcul de tête. Ça ferait 0,3, 0,15. Donc 0,6 moins 0,15, il va faire 0,45, je pense. Ouais, 0,45. Hop, 0,45. Ensuite, démontrer que P de S égale 0,8. Donc là, après, bon, bah, c'est la formule des probabilités totales. J'y vais rapidement parce que je pense que l'exercice de proba, c'est souvent l'un des exercices que les élèves trouvent le plus facile. Donc il faut trouver tous les chemins qui mènent à S. Donc P de I inter S plus P de M inter S plus P de G inter S, car I, M et G forment une partition de l'univers. Bon, je ne vais pas faire toute la rédaction. Ça va, ce qui va nous donner 0,6 fois 0,75 plus 0,9 fois 0,3 fois 0,1 fois 0,8. Donc, je fais le calcul de tête, ça nous donne P de S. Allez, je vais tout écrire, même si c'est assez pénible d'écrire. Donc 0,6 fois 0,75. Donc je précise bien que pour le bac, il faut bien préciser que IM et G forment une partition de l'univers. Plus 0,3. Moi, je fais pas une rédaction parfaite parce que c'est pas très pratique d'écrire sur un tableau en ligne. Et d'autant plus si j'ai un peu la flemme. Hop, 0, fois 0,9. Et surtout que j'écris pas sur une feuille de papier parce que sur une feuille de papier, c'est plus facile à écrire. Plus 0,1 fois 0,8. Pareil, ce calcul, on peut le faire de tête parce qu'il n'est pas très compliqué. On avait déjà fait la première multiplication, ça fait 0,45. 3 fois 9, ça fait 27, donc ça va faire 0,27 plus 0,27. Et là, facile, ça fait, quand on multiplie par 0,01, ça revient à diviser par 10, donc 0,08. Ensuite, allez, on fait le petit calcul de tête. 45 plus 27, ça nous fait 72. 72, 80, donc 0,8. Soit 80%. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Démontrer que P de S égale 0,8, donc on vient de le faire. Question 4. Un client est satisfait du service clientèle. Donc, quelle est la probabilité qu'il ait effectué son achat sur Internet? On donnera un résultat arrondi à 10 puissance moins 3 près. Donc, ça, c'est un très grand classique. Il y a ça dans tous les petits bacs quand c'est un exercice de probabilité. On a besoin de renverser l'arbre. Donc, on a vu que P de S égale 0,8. Donc, nous, en fait, concrètement, on veut P de quoi? L'événement, c'est. On veut qu'il ait effectué son achat sur Internet en sachant qu'il a été satisfait. Donc, on veut P de I sachant S. P de I sachant S. P de I sachant S. Donc, on utilise pareil la formule d'une probabilité conditionnelle. Ça fait P de I inter S sur P de S. Donc concrètement, on est en train de faire un changement d'univers. On n'est plus sur l'univers de base, mais là on se réfère à lorsque l'événement S s'est produit. P de I inter S, P de I inter S, on avait dit que ça faisait 0,45.
0,45 sur 0,8. Sur 0,8, donc ça fait combien? Ça va faire. Allez, moi je propose pareil qu'on fasse le petit calcul de tête. Ça va nous donner. Moi je vais y aller en plusieurs étapes parce que je sais pas le faire d'un coup. Vu que 0,45 sur 0,8, ça nous donne 4,5 sur 8. 4,5 sur 8, ça veut dire qu'il faut faire la moitié de la moitié de la moitié. On peut y aller étape par étape. La moitié de 4,5, c'est 2,25. 2,25 sur 4. Il nous reste encore à faire la moitié de la moitié. Ce qui nous fait 1,25. 1,25 sur 2. Il nous reste encore à faire la moitié une fois. Je vais l'écrire 1,125 sur 2. Et la moitié de 1,125. Ça va faire 4 chiffres après la virgule. Donc ça finit par presque 250. Et la moitié de 11, c'est 5,5. Donc ça va faire 0,5. Il y avait une retenue. Ça veut dire que ça, c'est un 6. Je vais quand même vérifier que je ne me suis pas trompé. Ça fait 1. Le double de 56, ça fait 112. Donc 1,12, ok, ça me paraît bon. Ensuite, on nous demande à 10 puissance moins 3 près. Donc à 10 puissance moins 3 près, ça veut dire 3 chiffres après la virgule. Comme le quatrième chiffre, c'est un 5. Et 5 par convention, c'est plus proche du supérieur. Donc ça va nous donner 0,563. Ok, hop. Question numéro 5. Pour réaliser l'étude, l'agence doit contacter chaque jour 30 clients parmi les acheteurs du téléviseur. Alors, pour réaliser l'étude, l'agence doit contacter chaque jour 30 clients parmi. Ok. On suppose que le nombre de clients est suffisamment important pour assimiler le foie des 30 clients. Un tirage avec remise. Ok, donc en gros, on va faire une voie binomiale. On le voit à 10 km. On note x, la variable aléatoire qui a chaque élément. Ok, ouais, ok. Donc, j'explique que x suit une voie binomiale, donc on précisera les paramètres. Ok, allez, on efface. Cette question, elle est assez basique. Il faut simplement dire que on répète une expérience de Bernoulli plusieurs fois et que chaque expérience est indépendante l'une des autres. Hop, ok. Donc, on répète, si vous ne savez pas ce que c'est une expérience de Bernoulli, c'est tout simplement une expérience qui a deux issues possibles. Allez, on va faire comme si on ne connaissait pas le vocabulaire. Moi, je propose que je ne rédige pas tout. Donc, il suffit de dire que l'expérience qu'on est en train de réaliser, elle répète 30 expériences de Bernoulli, c'est-à-dire qu'elle a deux résultats possibles. Le premier résultat possible, c'est que la personne est satisfaite, que le client est satisfait. Et le deuxième résultat, que le client n'est pas satisfait. Ces paramètres vont être petit n égale le nombre de répétitions, on répète 30 fois, petit p, la probabilité du succès. Nous, on définit le succès comme étant le client est satisfait, 0,8. Déterminer la probabilité arrondie à 10 puissance moins 3 près qu'au moins 25 clients soient satisfaits dans un échantillon de 30 clients. Donc on veut la probabilité que grand X, au moins, alors attention, il ne faut pas tomber dans le piège, au moins 25, ça veut dire 25 ou plus. Donc on veut que X soit plus grand ou égal à 25. Ensuite, bah là, il va falloir prendre un émulateur NumWorks. Allez, on va prendre un émulateur NumWorks. Émulateur NumWorks.
pouvoir le faire. Émulateur en ligne Numworks. Tac 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 tac. Est-ce qu'on peut zoomer? Non, on peut pas zoomer. On va aller dans probabilité. Ok, loi binomiale. De toute façon, c'est que cette loi pour le bac. N, on a dit 30. Ok. P 0,8. Ok. Suivant. Là, il faut choisir le bon menu. Donc, nous, on a dit. Nous, on a dit. P de grand X, il est plus grand que 25. C'est-à-dire que là, la courbe de la loi binomiale, elle va faire comme ça. Et nous, on veut que X, par exemple, 25, il est là. On veut qu'il soit dans cette zone lorsque X, il est plus grand que 25. Donc, il va falloir choisir la bonne option. Donc, c'est celui-là. Ok, et là, plus grand ou égal, on a dit à 25. Ok, ça nous donne 0,4275. Donc, on chiffre après la virgule, on veut à 10 puissance moins 3 près. Donc, bien précisé, hein, quand on utilise la calculatrice, bien précisé d'après la calculatrice. Bon, comme j'ai dit, je ne rédige pas tout. On va dire d'après la calculatrice, P de x. P de x plus grand ou égal à 25 est environ égal à 0,428. 0,428. Ok. Bah c'est fini. Maintenant on va passer à la question 6. Il faut que je reparaisse en capture d'écran du sujet. Alors, la capture d'écran, elle est là. Donc, il reste la question 6 et 7. Question 6 et 7. Hop. Je regarde juste combien ce qu'il y a d'exercices. Alors, il y a exercice 3 qui tient sur une page. Exercice 4 qui tient sur deux pages et qui est en trois parties. Ok. Alors, j'étais en train de faire quoi là? J'étais en train de prendre une capture d'écran de la question 6 et 7. Question 6 et 7. Ok, allez, hop, on supprime tout. Tout effacé. Je me prends un nouveau layer. Bon, j'espère que Elrond il va revenir vite. Parce que ce qui est intéressant, c'est d'entendre ses commentaires. Vu qu'il a passé le sujet aujourd'hui même. Alors, d'ailleurs, j'étais en train de lire ces messages-là qu'il a envoyés à 17h11. Il a dit, il faudra m'expliquer le dernier exo, c'est quoi cette merde? Bon, ben, j'espère qu'il va revenir à temps. Tac-tac-tac. Ouais, c'est ça. Ok, hop. Je regarde juste si le stream se passe bien. Moi, je vois aucune image perdue. Que le stream a commencé depuis. Ça fait depuis 1 heure. Ok. Tac. Donc, en résolvant une inéquation, déterminer la taille minimale de l'échantillon de clients à contacter pour que la probabilité qu'au moins l'un d'entre eux ne soit pas satisfait soit supérieure à 0,99. Bon, là, la phrase, elle est longue, il faut bien décortiquer d'un point de vue grammatical la phrase, mais c'est un très gros classique. Allez, on va essayer de la comprendre ensemble. Déterminer la taille minimale de l'échantillon. Nous, déjà, on veut une taille d'échantillon. Par exemple, dans la question précédente, la taille de l'échantillon, c'était le petit n, il valait 30. Donc, ça veut dire que nous, on veut chercher un petit n. Ici, ça va pas forcément être 30. À mon avis, ça va pas être 30. Ok. Ensuite, à contacter pour que la probabilité, donc on va calculer une probabilité P de quelque chose qu'au moins l'un d'entre eux, donc au moins l'un d'entre eux, ça veut dire que notre grand x, au moins 1, ça veut dire 1 ou plus. Donc x, il est plus grand ou égal à 1.
ne sois pas satisfait. Ah, ne sois pas satisfait. Attention, si c'était au moins l'un d'entre eux est satisfait, vu que x, ça compte le nombre de personnes qui est satisfait. Donc attention, il faut bien lire la phrase, ne sois pas satisfait. Donc si au moins l'un d'entre eux n'est pas satisfait, ça veut dire que il y en a 0 ou il y en a 1 qui sont satisfaits. Donc ça veut dire que grand X, il est plus petit ou égal à 1. Plus petit ou égal à 1. C'est le contraire. Alors, je relis la phrase. Ah non, alors attendez. Je pense plutôt que c'est plus petit ou égal à. Ouais, à 1. On va quand même relire la phrase pour en être sûr. Nous, on veut que au moins l'un d'entre eux ne soit pas satisfait. Donc, au moins l'un d'entre eux, ça veut dire que. Et on a 1, 2, 3, 4, 5. Et on a, c'est-à-dire qu'il peut y en avoir 1, 2, 3, etc. jusqu'à le n qu'on recherche. Tous ceux-là ne sont pas satisfaits. Tous ceux-là ne sont pas satisfaits. Ça veut dire que ceux qui vont être satisfaits. Alors attends. Au moins l'un d'entre eux. Je vais le faire comme ça. Donc là, il y a le premier client, deuxième client, troisième client et le énième client. On veut que au moins l'un d'entre eux ne soit pas satisfait. Donc ça veut dire qu'il y en a un ou plus. Par exemple, il peut y avoir lui, il peut y en avoir lui, il peut y avoir lui, il peut y avoir lui, etc. Mais il ne peut pas y avoir tout ça. Donc ça veut dire que eux, ça veut dire qu'ils n'ont pas été satisfaits. Ça veut dire qu'il y en aura toujours. Au moins l'un, ça veut dire que là il y en a n moins 1 sont satisfaits, il y en a n moins 2 qui sont satisfaits. Je crois que là je suis en train de me prendre la tête pour rien. Je pense que je suis en train de me prendre la tête pour rien et qu'on va tout simplement définir l'événement y. Compte le nombre de non satisfaits. Compte le nombre de non satisfaits. Je pense que ça va être plus simple. Le nombre de non satisfaits. Ensuite, donc on va avoir P de Y qui est égal à 0,2, n de y qui est l'inconnu qu'on recherche, n de y, et nous on veut que p de y, nous on veut que y, qu'au moins l'un d'entre eux soit non satisfait, donc on veut que p de y soit plus grand ou égal à 1. Et on veut que cette valeur soit supérieure à 0,99. 0,99. Je me suis trompé, j'ai mis P de X alors que c'était P de Y. Ok. Maintenant, on va passer au contraire. P de Y est plus petit ou égal à 1, c'est le contraire de 1 moins P de X, strictement plus petit que 1, c'est-à-dire égal 0.
petit. Il est à la 0,99. Ensuite, P de Y égale 0. Alors on va utiliser la formule, ça fait 1 moins. Ça veut dire il va y avoir 0 parmi K, 0 parmi 0 parmi N, Y, fois 0,2 puissance N, Y, fois 0,8 puissance 0. Donc 0 parmi NY, ça vaut 1. Donc 1 moins 1 fois, donc ça fait juste tout simplement 0,2 puissance NY. Plus grand ou égal à 0,99. Plus grand ou égal à 0,99. Je relis juste ce que j'ai écrit pour vérifier que j'ai pas fait n'importe quoi. Y, c'est la variable aléatoire qui compte le nombre de clients non satisfaits. Ok. Nous, on aimerait que au moins un d'entre eux ne soit pas satisfait. Donc, on veut que Y soit plus grand ou égal à 1. Donc ça me paraît cohérent. Donc là on est passé au contraire. Donc être plus grand, le contraire de être plus grand ou égal à 1, lorsqu'on est des nombres entiers, c'est être égal à 0. Égal à 0, ok. Ok, tac tac tac, ok, pour moi c'est bon. Donc là maintenant, pour résoudre cette inéquation, on va utiliser le ln. Ça nous donne 0,2, bon là je vais aller un peu vite, 0,2, c'est-à-dire que ça on passe de l'autre côté, donc c'est devenu comme ça, et lui on est passé de l'autre côté, ça fait 0,01, ok, donc le moins 0,2 je l'ai passé de l'autre côté, et lui c'est passé de l'autre côté, ok, maintenant ln. Donc n y, donc attention, là on va appliquer ln, donc 0,2 plus petit ou égal à ln 0,01. Donc là attention, on va diviser par ln de 0,2 qui est négatif parce que ln est négatif lorsque x est plus petit ou égal à 1. Ça nous donne ny. Donc là, le sens de l'inégalité va changer. Ln de 0,01 sur ln de 0,2. On rappelle que n, c'est un nombre entier. Je vais marquer nombre entier. Bien sûr, il faut mettre des équivalences entre chaque. Hop. Pour faire une bonne rédaction. Alors, comme ça, on va le taper sur l'émulateur NumWorks. Donc là, on revient dans la maison. Hop, calcul, ok, ln 0, j'ai oublié ce que je dois taper, je crois que c'est 0,01, 0,01 divisé par ln 0,2, hop, entrée, ok, exé, ça nous fait 2,86. On va marquer environ égal 2,86. Ok. Donc ny, c'est un nombre entier, mais il doit être plus grand que 2,86. Donc
Ça veut dire que n grec, il est plus grand ou égal à 3. Donc je précise juste, attention, cette équivalence, on peut la mettre uniquement parce que on avait précisé que n grec, c'est un nombre entier naturel. Ok. Donc, déterminer la taille minimale de l'échantillon de clients à contacter pour que la probabilité qu'au moins l'un d'entre eux ne soit pas satisfait soit supérieure à 0,99. On a besoin qu'il y ait un échantillon de 3. Dans les deux questions A et B qui suivent, on ne s'intéresse qu'aux seuls achats sur Internet. Lorsqu'une commande de téléviseur est passée par un client, on considère que le temps de livraison du téléviseur est modélisé par une variable aléatoire T égale à la somme de deux variables aléatoires T1 et T2. Alors attends, je relis. Dans les deux questions, on s'intéresse qu'aux seuls achats sur Internet. Lorsqu'une commande de téléviseur est passée par un client, on considère que le temps de livraison. Ok, la variable aléatoire T1 modélise le nombre entier de jours pour l'acheminement du téléviseur depuis un entrepôt de stockage vers une plateforme de distribution. La variable aléatoire T2 modélise le nombre entier de jours pour l'acheminement du téléviseur depuis cette plateforme jusqu'au domicile du client. Ok, donc stockage vers plateforme et puis plateforme vers domicile. On admet que les variables aléatoires T1 et T2 sont indépendantes et on donne l'espérance. Ok, 4. Espérance T1, 4, espérance T2, 3, variance T1, 2, variance T2, 1. Déterminer l'espérance de T et la variance de T de la variable aléatoire T. Ok, donc là, il faut se rappeler des... il faut se rappeler des formules de somme de variables aléatoires. Pour l'espérance, donc si l'espérance est compatible avec les combinaisons linéaires, alors hop, j'efface, l'espérance est compatible avec les combinaisons linéaires, c'est-à-dire que si on fait la somme de deux variables aléatoires, l'espérance de cette somme des deux variables aléatoires, ça va être la somme des espérances. Donc facile. Ok, je vais écrire ici. Donc, tout simplement, E de T, c'est égal à E de T1 plus E de T2. Donc c'est égal, je crois, à 3 plus 4. On va regarder. 4 plus 3, 7. 4 plus 3 égale 7. Ok. Ensuite, somme de variance. J'avoue que je me souviens plus de la formule. On va regarder un petit cours, le livre scolaire. Alors, mais il me semble que c'est donc pour la variance aussi c'est tout à fait égal hein. C'est la même formule, la variance de T ça va être égal à la variance de T1 plus la variance de T2, ça
c'est juste des formules à connaître par cœur. Ça va faire donc 2 plus 1 égale 3. Ensuite, question petit b, un client passe une commande de téléviseur sur Internet, justifie que la probabilité qu'il reçoive son téléviseur entre 5 et 9 jours après sa commande est supérieure ou égale à 2 tiers. Alors, un client passe une commande, ok, justifie que la probabilité qu'il reçoive son téléviseur entre 5 et 9 jours. De téléviseur est passé par un client. Ok. Ça va être les inégalités de bien-aimé Tchebychev. Je vais regarder les inégalités, ça va aussi, je ne les connais pas par cœur. Inégalité de. Je me suis inclus. Ça là. C'est les inégalités qui sont au programme de terminal. Donc la probabilité que x soit plus petit, enfin que valeur absolue de x, je vais faire une capture d'écran de la je pense que en tout cas il y a une des formules à utiliser sur le chapitre de terminal, je sais plus comment il s'appelle ce chapitre. Alors, ça veut dire que il va falloir trouver le bon alpha. On va avoir P2. Donc ici l'espérance c'est. On avait vu que c'était 7. Ok. Ok. Absolue soit plus petit ou égal à, donc on veut que la distance entre x et 7, vu que on veut que ça aille 5 et 9, ça veut dire que ça va être ça veut dire que ça va être plus petit ou égal à 9, ça veut dire que ça va être plus petit ou égal à 9. Puisque je dis, pourquoi je parle de 9? C'est-à-dire que ça va être plus petit ou égal à 2. Pourquoi 2? Parce que si je mets le 7 ici, moi je veux que x soit entre 5 et 9. Donc ça veut dire que la distance à 7 soit plus petit que 2. Qu'il reçoit son téléviseur entre 5 et 9 jours. Entre 5 et 9 jours. Ok, moi je propose que on mette une inégalité stricte pour pas qu'il y ait de problème. Hop. On va mettre une inégalité stricte. Donc, si on utilise l'inégalité de bien-aimé Tchebychev, on a ça supérieur ou égal à 2,
qui est égal, qui est plus petit ou égal à, donc la variance sigma au carré, c'est la variance, on a dit 3. Donc 3 au carré, 9, sur, ah non, est-ce que je dis 3 au carré? C'est déjà au carré la variance, 3 sur alpha au carré, alpha, on a choisi 2, donc 3 quarts. Ensuite, ce qui signifie que P de x, vu que c'est le contraire, P de x, hop, supérieur ou égal à 2, c'est ça veut dire que on a 1 moins ça, donc qui est plus petit que 3 quarts. Ça veut dire que on a P de x strictement plus petit que 2. Je me suis trompé depuis tout à l'heure, c'était moins 7. Moins 7. Donc là, j'ai passé là, ça de l'autre côté, ça je le passe de l'autre côté, ça veut dire que là, c'est plus grand que un quart. Ok. Supérieur ou égal à 2 tiers. Alors là, il y a eu un problème là. Un client passe une commande de téléviseur sur Internet, justifiez que la probabilité qu'il recherche son téléviseur entre 5 et 9 jours après sa commande est. Ok, est supérieur ou égal à 2 tiers. Si on est supérieur ou égal à 1 quart, par élargissement, on est aussi supérieur ou égal à 2 tiers. Je ne sais pas si c'était ça qui était attendu. Je vais vérifier mes calculs. Je pense que nous, on voulait à la fin obtenir x moins 7. Je pense que nous, on voulait obtenir x moins 7 en valeur absolue. X moins 7 en valeur absolue plus petit ou égal à 2. Ça veut dire que ça c'est égal à P de valeur absolue x moins 7 plus grand, strictement plus grand que 2. Ça veut dire que ça va être plus grand ou égal à 3. Donc en fait, vu que nous on veut que le 2 soit ici, nous on voudrait que ici il y ait un 1. En fait, on voudrait qu'ici il y ait un 1. De valeur absolue grand x moins 7 valeur absolue strictement plus grand que 1 qui est égal à 1 moins un peu de valeur absolue moins 7 plus grand ou égal à moins 2. Dire qu'on va avoir un 2 là, ça veut dire qu'on va avoir un 3 là. Ça veut dire que là, on va avoir deux là, un 3 là. Donc ça fait 3
au carré 9. 3 neuvième, ça fait un tiers. Ok. Un tiers. Donc là, on a dit un tiers. Hop, je vais mettre ça comme ça. Un tiers. Donc là, quand on va passer à ici, toujours un tiers. Non, là, du coup, ça devient deux tiers. Ok. Bon, c'est assez mal expliqué. Faut un peu comprendre les choses. Donc, en premier, il faut traduire l'énoncé. On a ça. Et on arrive à établir cette propriété. Que P2 valeur plus grand x moins 7 plus petit ou égal à moins 2, c'est égal à ça. Par le contraire, comme grand x c'est un nombre entier, si on est strictement plus grand que 2, on est plus grand ou égal à 3. L'inégalité de bien-aimé Tchebyshev, elle nous permet de dire que P2 grand x moins 7 en valeur absolue qui est plus grand ou égal à 3, ben c'est égal à l'espérance de grand x. L'espérance de grand x, c'est égal à, pas l'espérance, à la variance de grand x, excusez-moi, ce qui est égal à 3 sur cette valeur qu'on a mis qui est au carré, donc 3 au carré 9. Et là, je me suis trompé parce que c'est pas une égalité, c'est l'inégalité de bien-aimé Tchebyshev nous dit plus petit ou égal. Plus petit ou égal. Hop. Ce qui veut nous dire que P2 grand x, hop, 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 je voulais mettre un moins. Vu qu'on multiplie par un nombre négatif, le sens de l'inégalité change. Ça, je précise que c'est un tiers. Fait donc plus grand ou égal à, à moins un tiers. Voilà, moins un tiers. Maintenant, on veut faire plus un des deux côtés. Si on fait plus un des deux côtés, ça nous fait un moins grand P de valeur absolue en x moins 7. Tac, tac. Plus grand ou égal, donc un moins un tiers. Deux tiers. Ok, et ça on avait vu précédemment que oula, j'ai écrit des trucs qui ne veulent strictement rien dire. J'ai écrit des trucs qui ne veulent strictement rien dire. Hop, ça c'est la fatigue de la journée de travail et du soleil qui fait très chaud. Plus petit ou égal à 3. Non, c'était à 2. Alors là, alors attendez, là il y a, y a eu un problème là. Alors attendez, moi je propose qu'on efface tout et que je fasse une bonne correction. Je suis en train de m'embrouiller tout seul. Je suis en train de m'embrouiller tout seul. Alors, donc l'inégalité de bien-aimé Tchebyshev, on nous permet de dire ceci. Okay. Nous, on aimerait. Donc, je propose qu'on parte depuis l'inégalité de bien-aimé Tchebyshev, grand X supérieur ou égal à x moins 7, hop, 3. Hop, plus petit ou égal à un tiers. Ok. Parce que là, tout va bien. On va passer au contraire. Donc, non, on va d'abord faire moins moins. Hop, hop. Hop, 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 hop. Donc, on
fait ou moins des deux côtés, on va multiplier par un nombre strictement négatif, on change le sens. 1 moins tac 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 tac. Donc 1 moins 1 tiers, 2 tiers, hop hop. Ça, par définition de la probabilité de l'événement dans le contraire, ça va nous donner P2, hop hop, donc le contraire de notre événement. Donc le contraire de plus grand ou égal à 3, c'est strictement plus petit que 3. Hop 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 hop. Et être strictement plus petit que 3 lorsqu'on est un nombre entier, ça veut dire être plus petit ou égal à 2. Plus petit ou égal à 2. Supérieur ou égal à 2 tiers. Donc là, j'ai mal écrit en haut. Mettre en 3. Et voilà. Donc bien sûr, là, il va falloir préciser d'après l'inégalité de bien-aimé Tchebychev. Et donc là, c'est bon, là, c'est fini. Je propose qu'on passe à l'exercice numéro 3. Je vais juste envoyer un message à Elrond pour voir où est-ce qu'il en est. Est-ce une personne qui travaillait assidûment ne semble pas frein à plein de lune? Pas là, c'est en train de parler. Bon, je pense qu'il est en train de manger, donc on va reprendre la suite. Je regarde si le stream marche bien. Ok, donc ça fait depuis 1h35 qu'on est sur le stream. Allez, je prends la troisième page. Donc la troisième page, ou la quatrième, je ne sais si je crois que c'est la troisième page. Non, c'est la quatrième page. Donc ça, c'est de la géométrie dans le plan. Il n'y a que quatre questions. Hop. Je vais mettre juste jusqu'à la question 3B. Et hop. Donc là, je propose qu'on efface tout. Tout effacer. Tout effacer. Hop. Alors. Je vais juste faire un tour aux toilettes. Zboub. Bon, et ben heureux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a rejoint? Ah, il y a le Legat Pink qui m'a rejoint.
Zbub. Salut les gars de Pink. Je suis en train de stream sur Twitch. Je sais pas si t'as envie de rejoindre le stream Twitch. Mais du coup, tu vas t'entendre en écho si tu J'ai rejoins. pas. En gros, je suis en train. Sinon, je peux te passer. Et du coup. Je suis en train de corriger le bac de France de maths. Attends, je Avec t'envoie. des gens? Pour l'instant, là, je suis tout seul. Ouais, je suppose, sinon tu serais pas sur Twitch. Alors, Tout seul sur Twitch. voilà, je suis tout seul. Il y a Elrond qui va venir, mais là, il est en train de manger. Il n'a pas très bien réussi l'exercice numéro 4 de ce qu'il a dit. Soit tu peux rejoindre le Twitch. Soit sinon, tu peux juste rejoindre le tableau. Bon, après, le niveau est assez facile. Bon. Attends, je te Je n'ai rejoins. jamais fait ça. Je sais pas s'il faut télécharger une application pour Twitch. Non, Twitch, si t'es juste spectateur, non, t'as pas besoin. Mais soit tu rejoins le tableau, soit tu rejoins le Twitch. Là, je t'ai mis le tableau Bon, si tu veux le si je trouve un Twitch. tableau. Sinon, le Twitch, attends, je l'avais mis là. Twitch. Oh, de la géométrie. Est-ce que ça copie-colle là? Ah ouais, attends, ça c'était dans les logs. Log, hop. Sinon, si tu préfères rejoindre le stream. Attends, je te re-mentionne. S'il y a des trucs en plus sur Twitch. Non, je pense pas. Mais oui, voilà. Je jette un oeil. Vas-y, bah, moi j'ai pas commencé encore, donc là je vais lire. Donc l'espace est muni d'un repère orthonormé OIJK. On considère les points OK. 5, 5, 0. OK. 0, 1. J'entends ma voix sur Twitch. Ouais, mais en plus c'est en décalé, hein. Du coup, tu vas normalement t'entendre en décalé. 0, donc 5, 5, 0. Donc 5. Ah non, le I, il est là. Donc le I, j'y ai le K. Ok, c'est fait dans ce sens. Donc 5, 5, 0. Donc ça, c'est le point A. Ok, le point A, il est là. 0, 5, 0, 0. 5, 0. Ok, c'est le point B. 0, 0, moins 5 demi, donc il doit être vers le bas. 0, 0, moins 5 demi, le point D. Ok, montrer que n, 1, 1, 1, moins 1, 0 est un vecteur normal au plan CAD. CAD, ok. Ok, donc là, il y a juste besoin de calculer deux vecteurs directeurs non collinéaires. Permet de former le plan CAD. On peut par exemple calculer les coordonnées du vecteur CA et les coordonnées du vecteur CD par exemple. Et montrer qu'ils sont tous les deux orthogonaux au vecteur N1. Donc c'est le produit scalaire. Donc CD. Allez, on commence par calculer. Moi j'avais dit CA. CA, donc CA. Donc ça va faire 5 moins 0, 5. 5 moins 0 encore, 5. Et 0 moins 10, moins 10. Hop. Ensuite, CD, ça va être le vecteur de coordonnées CD, 0 moins 0, 0. 0, moins 0, pas 0 encore, et moins 5 demi, moins 10, donc ça fait moins 5 demi, moins 20 demi, donc moins 25 demi, hop, moins 25 demi. Ensuite, on a besoin de calculer le produit scalaire, donc CA scalaire N1.
donne 5 fois 1, 5, plus 5 fois moins 1, moins 5, et pour finir, 0 fois, non, moins 10 fois 0, 0. Donc on mettra 0. Donc c'est bon. CA et, quand j'ai la flemme de l'écrire, CA et N1 sont orthogonaux. On va faire la même chose pour le vecteur CD. Donc CD scalaire N1, ça nous donne donc 0, je vais réécrire la formule pour ceux qui ne la connaissent pas, 0 fois 1 plus 0 fois moins 1, 0 fois moins 1. Et pour finir, moins 25 demi fois 0. Moins 25 demi fois 0. Donc ça fait 0 plus 0 plus 0. 0 plus 0 moins 0, c'est égal à 0. Donc on conclut que le vecteur CD et N1 sont orthogonaux. Vu que N1 est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires qui appartiennent au plan, qui sont directeurs du plan. Planaire dans ce cas. Comment? Comment? Je disais coplanaire. Coplanaire, c'est-à-dire quel vecteur et quel vecteur? Bah, celui avec lequel tu fais les produits scalaires, c'est A et CD. Tu m'as dit collinaire. Et qui appartiennent au même plan. Non, t'as mal compris. Le but en fait de la question, c'est de démontrer que le vecteur N1 est un vecteur normal au plan CAD. Et pour démontrer que N1 est normal à un plan, on va prendre deux vecteurs non collinéaires qui dirigent le plan CAD. Donc par exemple CA et CD. Parce que si tu prends deux vecteurs qui dirigent le plan, qui dirigent un plan, c'est comme si tu l'avais, c'est comme si tu avais démontré l'orthogonalité que dans une seule direction. Est-ce que tu m'as compris ou est-ce que je me suis mal Oui, exprimé? en effet. Donc, comme peut-être que c'était pas clair, on va l'écrire N1 est orthogonal. Orthogonal. Oui. On a démontré Ton son, il coupe. Ouais. N1. Et du coup, il Alors, y a de la attends. collinéarité là-dedans. Alors, ton son, il a coupé. Donc, tu me disais. Alors, en fait, juste, on l'a. Toi, ton son, Ouais. il a augmenté, il a. C'est possible, je parle plus près de mon micro. Bon, Ouais, du coup, tu disais juste ça a coupé quand tu parlais, ouais. non, je suivais juste. Ok. Donc, je disais donc N1 est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires. Le plan CAD qui dirige CAD. Donc N1 est un vecteur normal. Je sais pas si tu as dû des retours de Twitch. Genre si tu t'entends. Non, moi je m'entends pas. Parce que j'ai pas Twitch allumé en fait. Enfin, la page internet Twitch, je l'ai pas allumé donc. Mais si effectivement,
je les vais allumer, ça ferait, j'aurais des retours à l'infini parce que comme c'est décalé, c'est-à-dire quand je parle, si je parlais, je m'entendrais sur Twitch, on va dire 5 secondes après, mais mon premier retour que je me suis entendu en ricochet, il va le refaire, puis il va se refaire à l'infini. À l'Arsène, oui. Mais du coup, tu as besoin de quelqu'un comme moi qui juste te révèle que niveau audio, c'est pas ouf. Ah ouais? Genre déjà sur Discord, je t'entends très peu, mais sur. Ok. En fait, le plus effrayant, c'est lorsque j'ai retour de ma voix sur Twitch, le son est beaucoup, beaucoup plus fort que ta voix. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils doivent mettre à fond pour t'entendre toi, dans mon cas, et après je m'entends Ok. moi. Bon après, bon moi mon micro il est pas non plus ouf, mais après ce que je peux faire, c'est juste baisser le son des autres. Je sais pas si ouais. Je le mets par exemple à bon j'ai mis moins 9,1 décibels pour les autres quand ça stream. Ok donc N1 est normal à je trouve plus mon clic de la souris, elle est là. Donc il est normal à CAD. Donc au plan CAD. Ok, donc ça c'était la question 1. Question B, en déduire que le plan CAD a pour équation cartésienne y moins 1 égale 0. Il y a besoin d'utiliser le fait que N1 est un vecteur normal au plan CAD. Donc je vais effacer. Alors elle est où ma gomme? Il y a Escobar dans le chat. Escobar. Ok. Attends, Escobar. Bah salut Escobar. Ouais, mais en fait, c'est quelqu'un, Escobar ou Escobar, c'est quelqu'un qui m'a prévenu parce que moi, je peux pas lire le chat en même temps. Aïe. Et que dire? Tu n'as qu'un seul écran, quoi. J'utilise pas Streamlab parce que j'ai pas réussi. Là, j'utilise OBS alors que sur Streamlab, tu peux aussi voir le chat en direct. Mais en plus, je crois que c'est même pas la dernière version mise à jour parce que j'ai pas accepté de faire la mise à jour quand j'ai lancé OBS. Alors là, je lis les messages sur Discord. Ah oui, d'accord, je savais pas qu'il avait une voix grave comme moi. Ok. Sympa. Sympa, sympa. Et moi, mon Twitch, il est pas du tout allumé, donc j'ai pas du tout de retour commentaire. Alors, j'en étais à où? Voilà, donc on a dit, sachant que N1 c'est un vecteur orthogonal, enfin un vecteur normal au plan CAD, ça veut dire que une équation cartésienne du plan va être de la forme 1 fois x, donc x, plus moins 1 fois y, c'est-à-dire moins y, plus 0 fois z, c'est-à-dire rien, plus une constante d qu'il va falloir déterminer égale 0. On va préciser. Ou des c'est un réel. Comment on va démontrer que D égale 0? Bah, on va prendre un point qui appartient au plan D. Donc on sait que A de coordonnées 5, 5, 0 appartient à D. 5, 5, 0 appartient à CAD. Donc là, on a traduit géométriquement ce qu'on observe. Et là, on va traduire algébriquement cette appartenance géométrique. Donc, ce qui fait que c'est équivalent au fait que 5 moins 5 plus
D égale à 0. En d'autres termes, c'est équivalent au fait que D égale 0. Donc finalement, il vient que une équation cartésienne de ce plan CAD, c'est Y moins D égale 0, vu que le D égale 0. Donc on a fini la question 1B. Question 2A. On considère la droite D de représentation paramétrique x égale 5 demi t. Ok. On admet que la droite D et le plan CAD sont sécants en un point H. Ok. Justifier que les coordonnées de H sont ok. Alors là, il y a plusieurs façons. Soit on peut faire la façon plus facile, intelligente. Il y a juste à tester que le point H, que ce point H de telle coordonnée appartient à la fois à la droite D et à la droite et au plan CAD en vérifiant que ce point vérifie le système d'équations de la représentation paramétrique et qu'il vérifie l'équation cartésienne qui est donnée en haut. Ou sinon, méthode plus difficile, non, on va faire comme si on ne connaissait pas la réponse et on va juste résoudre un système. Je vais effacer parce que je vais avoir besoin de place. On va dire que nous, on recherche un point H qui est de coordonnées inconnues, XH, YH, ZH. Je suis en train de lire les messages. Ah ouais, je savais pas. Il m'a parlé d'exclusivité tout à l'heure. Quel est le rapport entre exclusivité? Bah, exclusivité, c'est que c'est pour être le premier à mettre une correction. Je crois que c'était le bac du Maroc. Non, ça c'est le bac de France. Le bac du Maroc, il est plus difficile, mais je l'ai pas lu en entier. J'ai juste un peu regardé l'exercice numéro 1, un peu l'exercice numéro 5. L'exercice numéro 5, la première question, c'est déjà la démonstration du petit théorème de Fermat. Je sais même pas si en France, au lycée, il est au programme. Je sais que le petit théorème de Fermat est au programme de Math Experte, mais il me semble que sa démonstration est admise. Enfin, j'en suis pas sûr, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de démonstrations en maths expertes en terminale en France. J'ai jamais touché à ça, perso. Ah ouais, le petit théorème de Fermat? Probablement que je l'ai déjà côtoyé, mais là, ça me dit rien. Oh, après, c'est pas un théorème qu'on utilise tous les jours, c'est un théorème avec des congruences avec les nombres premiers. C'est juste que le résultat est pas c'est pas un résultat qui paraît naturel, donc c'est pour ça que c'est assez intéressant comme théorème. Après, moi, je vois pas Je vois pas trop. à quoi ça pourrait servir. Moi, je vois pas spécialement à quoi ça pourrait servir. Alors, allez, on continue. J'en étais à ouf. Ouais. Voilà, donc j'aimerais que ce point H appartienne à D. À la droite D inter, c'est-à-dire qu'il appartient à la fois à la droite D et au plan CAD. CAD. Donc on va traduire ça pareil d'un point de vue algébrique. Donc on aimerait d'abord que, vu qu'il appartient à la droite D, donc XH va être égal à 5 demi T. 5 demi T. Donc, pour noter un plan, on fait un triplet. C'est pas un triplet parce que j'ai pas mis de point-virgule, hein. C'est ici que j'ai mis un plan. Ici, j'ai mis les coordonnées du point H. Là, j'ai dit que le point H de coordonnées XH, YH, ZH appartient
AD, donc une droite, inter, CAD, parce que voilà, je veux que ce soit l'intersection d'une droite et du plan CAD. Un plan, c'est entre parenthèses et il n'y a pas de séparateur, il y a directement les lettres pour noter le plan. Et bien sûr, il faut que les trois points soient non alignés. Sinon, ça fait une droite. Alors, donc YH. Non, juste, je t'arrête. On a déjà les coordonnées de H. Donc, au lieu de les redéduire, il suffirait pas de vérifier qu'elle appartient à la fois à D et elle Oui, appartient au plan CAD. c'est ce que j'ai dit avant de commencer cet exercice. Donc, tu n'as pas écouté, enfin, ou alors tu n'étais pas là. J'ai dit, bon, bah, il y a deux façons. Soit on peut se dire, méthode facile, on peut tester si ce point, grâce à ses coordonnées, appartient au plan à la droite D, puis il faudrait aussi que ça appartienne au plan CAD. On peut faire une méthode, on va dire, plus difficile. On va faire comme si on n'avait pas les coordonnées du point H. Et j'ai dit, bon, bah, on va se lancer dans cette méthode. On va faire comme si on ne connaissait pas les coordonnées du point H. Et on va Ah. résoudre donc un système. C'est pour être plus complet. Oui, parce que bon, j'aime pas trop le fait qu'on nous donne la réponse directement. Donc c'est vrai que là, l'énoncé nous donne directement la réponse. Je trouve que c'est plus c'est trop facile. Enfin, voilà. Alors, 5 demi. Donc on aimerait que ce soit égal 5 moins 5 demi t. 5 moins 5 demi t. Et z égale 0. Donc zh égale 0. Je vais élargir mon accolade. Oh, bon, mon accolade, elle est pas très bien faite. Hop. Ensuite, le fait d'appartenir au plan CAD. On a dit que c'était x moins y égale 0. Donc on a xh moins yh égale 0. Moins yh égale 0. Bon, maintenant, je vais me poser quelques secondes pour un petit peu réfléchir à comment on va résoudre cette équation. Donc là, on sait que xh est égal à yh. Est-ce que c'est intéressant de faire une substitution directement? Si on fait une substitution, donc on sait que zh c'est égal à 0. Ok. Ensuite, ça nous ferait xh égale 5 demi t et xh égale 5 moins demi t. Ok, ouais, bon, ça me paraît assez bien de faire cette substitution. Donc, ça va faire que le système va être assez rapide à résoudre. Donc, je vais juste écrire les deux dernières lignes. zh égale 0, xh égale yh. Et là, on va avoir xh égale 5 demi t, 5 demi t, et xh. Je propose même d'écrire directement que comme xh égale à 5 demi t et que yh est égal à yh, donc on va directement écrire 5 demi t, 5 demi t égale 5 moins 5 demi t, 5 moins 5 demi t. Donc ça nous fait, allez, on va résoudre de tête, ça nous fait 10 demi t égale 5, ça nous fait 5t égale 5, donc t égale 1. Allez, je continue ici. Hop. Ça nous donne donc. Ça nous donne donc. On a dit t égale 1, je vais le mettre en deuxième. T égale 1. ZH égale 0,
Et vu que t est égal à 1, donc xh c'est égal à 5 demi fois 1, donc c'est égal à 5 demi. xh égale 5 demi fois 1, donc 5 demi. Et yh, on avait dit que c'était égal à xh, donc c'est aussi égal à 5 demi. Donc là, voilà, c'est fini. Donc 5 demi, 5 demi, 0. Ok, petit b, démontrer que le point H est le projeté orthogonal de B sur le plan CAD. Alors, donc un projeté orthogonal, il a deux propriétés. Il va avoir comme propriété que, je vais marquer petit b, hop, il va y avoir comme propriété à la fois que BH est normal. BH, non, en fait, il va avoir qu'une seule propriété, que BH est normal. Que BH est normal au plan CAD. Normal à CAD. Alors, comment on va démontrer ça? Ça va être, vu qu'on sait déjà que le vecteur petit n1 est normal à CAD, finalement, ça va être équivalent au fait que BH est collinéaire avec petit n1, collinéaire à n1. Ok. Collinéaire à n1. Alors BH. Ok, bon bah maintenant on calcule les coordonnées du vecteur BH. BH. Alors, BH, donc 5 demi moins 0, bah 5 demi. 5 demi. Appuie Ensuite, sur F11 pour voir. F11. Pourquoi? Ça m'a fait ça. Ça m'a mis en J'ai grand pas encore vu écran. de changement sur Twitch. C'est comme si ça m'avait mis en grand écran. Et il suffira d'appuyer sur F11 pour retirer. Ah! Maintenant, on vient de le revoir sur Twitch et Ok. bah, il n'y a plus les onglets et la barre du dessus et du dessous. Ok. Alors, donc je disais 5 demi. 5 demi, 5 demi. Donc 5 demi moins, je crois, 0. Ah non, 5 demi moins 5. Allez, on va faire le calcul après. 5 demi moins 5. Et le dernier, 0 moins 0, 0. Ok, donc il y a juste une soustraction à faire. Donc je recopie 5, 0. Donc 5 demi moins 5, donc 5 c'est 10 demi. 5 moins 10 moins 5, donc moins 5 demi. Moins 5 demi, je vérifie que j'ai pas dit n'importe quoi. Non, là j'ai dit 5 moins 10. Ouais, non, ok, c'est ça. Donc ça fait 2,5 moins 5 moins 2,5. Ok, c'est bon. Ok. Ensuite, on peut remarquer que ça, c'est égal à combien de fois le vecteur n1. Ah non, là, il y a un problème là. Sinon, c'est juste que moi, j'ai mal recopié, bien évidemment. C'était 5 demi. 5 demi, c'est transformé en 5. Donc, c'est égal à 5 demi fois le vecteur n1. Donc, on a démontré que BH et n1 sont collinéaires. Donc, BH est normal au plan CAD. Donc, BH est, donc H est le projeté orthogonal de B sur le plan CAD. Ah non, et il y avait aussi un deuxième critère à vérifier, que le point H appartient au plan CAD, mais ça on l'avait fait juste avant. Le point H appartient au plan CAD. Ok, donc là c'est fini. Question 3A. Question 3A. Je vais effacer. Mince. Hop, là j'ai tout effacé.
partant, démontrer que le triangle ABH est rectangle en H. Donc ça c'est facile, hein, c'est un petit théorème de Pythagore, on voit ça au collège. Hop, hop, hop. Que le triangle ABH est rectangle en H. Donc ce qui est attendu en premier, c'est de calculer les normes de vecteurs, mais de toute façon les normes de vecteurs, ça se calcule aussi en utilisant le théorème de Pythagore. Donc moi je propose qu'on calcule AB au carré directement. AB au carré, si on utilise donc la formule pour la norme d'un vecteur, ça nous ferait 0 moins 5 le tout au carré, ça nous donne 25 plus 5 moins 5, 0, 0 au carré plus 0, donc on ne va rien écrire, et 0 moins 0, 0, le tout au carré, donc AB au carré égale 25. Maintenant, on va calculer BH. BH, donc là, il y a des fractions, donc ça risque d'être peut-être un petit peu plus, peut-être un peu plus long. BH, il est où? Hop, donc ça fait 5 demi moins 0, le tout au carré. Donc 5 demi au carré, ça fait 25 quarts. 25 quarts. Ensuite, 5 demi moins 5, on l'a vu tout à l'heure, ça fait moins 5 demi. Moins 5 demi, le tout au carré, ça fait 25 quarts. Et il reste à faire la dernière coordonnée, 0 moins 0, bah ça fait 0, donc juste ça fait 50 quarts, donc 25 demi. 25 demi. Il reste à calculer donc AB, BH, donc AH ou HA au carré. Alors, AH au carré, ça nous fait 5 demi moins 5. Ce calcul, on le fait depuis tout à l'heure, ça fait moins 5 demi. Ce qui fait que au carré, ça donne 25 quarts. Ensuite, 5 demi moins 5 encore, ça nous donne moins 5 demi. Moins 5 demi le tout au carré, 25 quarts, plus 25 quarts. Hop. Ensuite, 0 moins 0, ben 0, non plus 0, ça fait toujours 25 demi. Donc on calcule AH au carré plus BH au carré. Bon là je pense que vous voyez venir. Ça fait 25 demi plus 25 demi, ce qui fait 25, ce qui est égal à AB au carré. Et après on conclut avec la réciproque du théorème de Pythagore. Donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABH est rectangle en H. Proposé. Comment? Je dis contreposé, mais c'est peut-être une connerie. Sinon, il y a une méthode encore plus simple. Alors Serait laquelle? juste de voir si les vecteurs HA et HB sont pas orthogonales en faisant un produit scalaire. Oui, on pourrait aussi. C'est vrai que ça, c'est une méthode. C'est la manière la plus directe et la plus simple. Peut-être, mais j'y avais pas pensé sur le moment. Après, je pense que. Ouais, je pense que la méthode qui va être le plus utilisée au bac par les élèves, je pense que ça va être la réciproque du théorème de Pythagore parce que c'est un classique qu'ils savent, mais qu'ils maîtrisent depuis le collège. Qu'ils maîtrisent depuis le collège. C'est vrai qu'on leur a appris à faire ça les années précédentes. Donc Oui. ils voient ça automatiquement, ils se disent ah, c'est ça qu'on m'a appris à faire. Alors qu'en fait, il suffit juste de vérifier si l'angle est droit avec Ouais, on pourrait aussi. un produit scalaire. Donc, question 3B, en déduire que l'aire du triangle ABH est égal à 25 quarts. Donc, pareil, hein, ça c'est une formule qui vient du collège. Donc, on fait les deux côtés qui sont opposés, enfin, les deux côtés qui sont adjacents à l'angle droit, on les multiplie entre eux et on divise par 2. Donc, il suffit de faire AH fois BH
divisé par 2. Donc il faudrait faire AH fois BH divisé par 2. On avait leur valeur au carré, nous. Donc c'est 25 demi au carré. Donc on va directement écrire 25 demi le tout au carré, ça fait 5 sur racine carrée de 2 fois 5 sur racine carrée de 2, le tout sur 2, ce qui nous donne 25 sur 2 fois 2, 4, donc 25 quarts. Hop, donc voilà, là c'est fini pour la question 3B. Et je regarde. Faut que je regarde donc la suite de l'énoncé. Il reste question 4A et 4B. Donc pareil, je fais une petite capture d'écran. Alors, toc, 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 c'est bon, je fais une petite capture d'écran. Allez, hop, on va effacer. Pourquoi tu rigoles d'ailleurs? Ça se clash sur le serveur. Ah oui, non, ça je vais effacer aussi. J'aurais dû tout effacer direct. Hop. Tu as 17 spectateurs, je ne sais pas si tu le sais. Ah ouais, c'est vrai. 17, ah, c'est beaucoup. Alors. Question 4 a démontré que CO est la hauteur du tétraèdre ABCH. D'ailleurs, là, pour ceux qui viennent rejoindre, vu qu'il y a 17 spectateurs apparemment, il va y avoir la rediffusion sur YouTube et vous pouvez rejoindre aussi le serveur Discord. Je sais pas si. Arcos. Ouais. Académie Arcos-1. Vous pouvez taper sur Google hein, et après il y aura la page Discord qui renvoie sur. Je l'écris. Hein, pour ce. Je l'écris ici. C'est Académie. Vous cherchez directement sur Google. Il y a. Académie Arc Post. Donc il y a 2 C, attention, moins 1. Vous pouvez rejoindre, c'est notre serveur Discord. Et après aussi. Là, dans la cour de récréation, par contre, je t'annonce, c'est le bordel. Oui, il doit y avoir des clashs là. Ouais, bon, en ce moment, je peux pas vérifier. Les joueurs, ils vont arriver, ils vont se poser des questions. Alors, j'en étais à ouf. Démontrer que CO est la hauteur du tétraèdre ABCH issu de C. Que CO est la hauteur. Ah ouais, mais là j'ai enlevé le dessin et je pense que je vais avoir besoin du dessin. Je vais reprendre. Je vais juste reprendre au moins le schéma. Hop, une petite capture d'écran. Alors, que CO, ah oui, bah O c'est l'origine. Donc CO est la hauteur du tétraèdre ABCH, ok. Issu de C. Donc il suffit de démontrer que CO est un vecteur normal, que le vecteur CO est normal au plan BAH. Donc c'est encore un petit peu long. Donc nous, but. Notre but, ça va être, je vais écrire but. On veut démontrer que CO normal, je vais juste écrire norme, normal au plan BAH. On veut que finalement la droite CO fasse un angle droit avec le plan BAH. Donc pour ça, c'est la même méthode. On va calculer les coordonnées de tous les vecteurs qui nous intéressent. Donc d'abord CO, puis BA. Donc pareil, on va prendre 2 vecteurs non collinéaires qui vont diriger le plan BAH.
Donc on va prendre par exemple BA et AH, hein. C'est pas important les deux vecteurs qu'on prend, on aurait pu prendre BA avec BH ou AB et H et HB. Il faut juste en prendre deux comme on veut. Donc CO. Bon, au lieu de prendre CO, je vais prendre OC. Parce que bien sûr les coordonnées du vecteur OC sont les mêmes que les coordonnées du point C. Hop, OC. Comme ça va être direct. OC. Donc les coordonnées du point C, bon ben c'est pareil, j'ai supprimé l'autre partie de l'énoncé. Donc c'était peut-être pas une bonne idée que je découpe l'énoncé. Je vais refaire une petite capture des données de l'énoncé. Alors hop. Donc le point C c'est 0, 0, 10. Donc ça veut dire que le vecteur OC va être le vecteur de coordonnées 0, 0, 10. Ok, donc ça c'est fait. BA. BA, donc ça va faire 0, moins 5 pour la première coordonnée, 0, moins 5, 5. Ensuite, 5, moins 5, 0. Ensuite, 0, moins 0, 0. Bon après le vecteur BA je l'avais déjà calculé, enfin AB je l'avais déjà calculé, hein, mais bon c'est pas très grave, on le recalcule, il est facile à calculer. Le point H, oh là là, je l'ai pas, mais le point H, je me souviens c'était 5 demi, 5 demi, 0. Je l'aurais écrit 5 demi, 5 demi, 0. 5 demi moins 5. Depuis tout à l'heure on fait ce calcul, ça fait moins 5 demi. Moins 5 demi. Ensuite, 5 demi moins 5 encore une fois. Bon, ben, encore moins 5 demi. Et je crois qu'aussi, tout à l'heure, on l'avait déjà fait ce calcul. Ensuite, 0 moins 0, ben, 0. Ok, nous, notre but, c'est de calculer OC scalaire BA, puis OC scalaire AH, et on aimerait que ces deux produits scalaires valent 0. Bon, OC, on le voit direct, hein, parce qu'il y a un zéro pour chaque coordonnée dans au moins l'un des deux vecteurs, donc ça fait 0 plus 0 plus 0, 0 plus 0 plus 0 égale 0. Ensuite, OC scalaire AH, scalaire AH. Ça fait 0 fois moins 5 demi, donc 0, plus 0 fois moins 5 demi, donc 0, plus 10 fois 0, 0. Pareil, ça fait 0. Ok, on est content. On a donc OC normal. Bon, mais je l'ai déjà écrit. CO normal à BAH. OC, on va dire OC. Donc OC, le segment OC et la hauteur. D'ailleurs, il y a une faute dans l'énoncé. Hein. C'est décroché parce que c'est un segment. Voilà. OC et donc la hauteur. Bon, en fait, je ne vais pas tout écrire parce que c'est long. Donc OC, le segment OC ou le segment CO et la hauteur du tétraèdre ABCH issu de C. Ok, donc je réécrirai cette phrase comme phrase réponse. Maintenant, en déduire le volume du tétraèdre ABCH. Bon, là, c'est volume d'un tétraèdre, c'est base fois hauteur fois un tiers. Donc, un tiers fois la surface, l'aire de la base, donc c'est un triangle rectangle, on l'a dit tout à l'heure. Triangle rectangle, donc on a besoin de la longueur. On a besoin. Tout à l'heure, on l'a calculé, hein, bon, j'avais oublié, c'était 25 quarts, je crois. Je vais regarder dans l'énoncé parce que la valeur était dite dans l'énoncé. Ouais, l'aire du triangle ABH, c'est 25 quarts. Ok, donc le travail a déjà été mâché. Donc fois 25 quarts
fois la hauteur. Donc la hauteur, c'est la norme du vecteur OC. Bon, bah, là, on voit directement que c'est 10. Hein, pas besoin de tergiverser. Ce qui nous donne 250 douzièmes. 250 douzièmes. Alors on peut encore un peu simplifier. On peut diviser par 2. On peut même, est-ce qu'on peut même diviser par 4? 125. Non, on ne peut pas diviser par 4. Donc ça va faire 125 divisé par 6. 125 sixièmes. Juste, je vérifie que j'ai pas fait n'importe quoi. Donc 1 tiers fois l'aire de la base, on l'a calculé à la question d'avant, fois la hauteur. La hauteur, c'est la norme du vecteur OC, hein, qui fait les coordonnées du vecteur OC, c'est 0, 0, 10. Ça fait que sa norme, c'est 10, ok. Donc ça nous donne 250 sur 12. On peut simplifier par 2, ça fait 125 sixièmes. 125, est-ce que c'est dans la table de 3? 3, 8, donc non, c'est pas dans la table de 3. Donc c'est déjà la forme irréductible de cette fraction. On rappelle que le volume d'un tétraèdre, ok, bon, bah en plus c'est rappelé. On est dur, ok, bon, bah là c'est fini. On admet que le triangle ABC est rectangle en B. Ça, ok. Ça, je l'avais déjà fait. Ok, il ne reste plus que l'exercice numéro 4 à faire, qui est en trois parties. Je regarde si tout se passe bien sur le stream. Donc, moi, je vois que le stream, aucune image perdue. Le live, il a commencé depuis 2h24. Ok, bon, j'ai pas de soucis en termes de transmission sur OBS. Ok, allez, on supprime tout. Je vais mentionner Elrond sur le serveur. Parce qu'il avait dit qu'il avait galéré à l'exercice numéro 4. L'exercice 4 va commencer, on va lui dire. L'exercice 4 va commencer. Moi, je vois qu'il est connecté en plus, hein. Oh, mais il est parti jouer. Bon, en fait, il s'en fout de la correction. Spam-le et c'est bon. Ouais, c'est une bonne idée. Hop. J'avais oublié que j'ai créé ces commandes. Hop, 900. C'est un peu le chaos là dans la cour de récréation. Je sais pas si tu vois. 4 va. Ouais, mais je peux pas modérer en même temps. Arme de destruction massive. Pourquoi tu parles pas fort? Ah, ça veut dire que tu es en train de suivre le stream, hein, Laura. Bah, c'est pas que je parle pas fort, c'est que j'ai un micro nul. Alors, on va prendre l'exercice numéro 4. On va dire que j'ai pas un setup de gamer. C'est vrai que je t'avais fait remarquer pour ton micro. Ouais. En Mais tout bon. cas, moi j'ai baissé ton son. Une diminution de 9,1 décibels. Scandaleux. Ouais, on te boycotte. Ça me rassure de me dire que c'est pas que moi qui pensais être en entendre trop faiblement. Enfin, je disais que ce soit par Discord ou par Twitch. Ok, bon, bah lui il a déjà vu la correction. On lui a déjà expliqué. Bon, bah tant mieux pour lui. Ensuite, il faut que je récupère l'exercice numéro 4. Je les ai mis où, les exercices là. Ah, j'ai raté. Hop. Faut que je fasse has file. Escrobar 973. Ah ouais, attends, je vois là les images, je confirme le son à pomper. En fait, le bac de maths, vous l'avez déjà passé, point d'interrogation. Par contre, t'as Twitch en blanc. Les gars de Pink, t'as Twitch en blanc. Tu veux dire le retour que j'ai de toi?
Bah non mais enfin t'avais mis une capture d'écran Ah. du chat. Ah mais moi je vais jamais sur Twitch donc c'est. Non mais c'était Je une pensais question. t'aider toi qui avais pas trop tout. Ah mais Oh. j'ai même pas de compte là. Par défaut. Alors donc Par exercice défaut c'est blanc. 4. Donc ça veut dire que le dernier exercice il est que sur 6 points. Ça veut dire que là on a déjà eu 14 points. Si c'est sur 20. Parce que je sais pas toi dans ton pays c'est sur combien de points les notes. En tout cas nous au lycée c'est sur 20 points en France. Nous aussi, sur Ok. 20 points. Ok. Alors moi je Bah, ça, propose c'est universel, ça. 20 points non enfin dans les pays francophones je suis ok mais pas universel abuse pas. Aux États-Unis je crois que c'est sur 100. En Eux, Allemagne c'est je plus crois. des codes, genre A, B jusqu'à F, tu Ah sais. oui, C'est vrai aussi qu'au oui, Japon, avec. c'est sur 100, oui. En Allemagne c'est pas sur 6 et je crois que c'est plus t'as une note petite, plus t'as une bonne note en fait. 1 c'est le meilleur et 6 ça veut dire que t'es trop nul. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Alors Intrigue, je n'ai jamais entendu parler de ça. donc on copie l'image. C'est quoi l'exo désormais? Donc là il y a trois parties. Donc là j'ai copié que la partie A parce que je crois qu'elles vont être indépendantes. Donc la fonction f est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par 1. Ok. 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 Déterminant justifiant les limites de f en 0 et en plus l'infini. Donc on peut commencer à faire juste une petite analyse rapide. Ah, Donc une étude de fonction. en 0, ça va faire 0. Et en 0, ça fait moins l'infini. Ça. Donc ça va faire moins l'infini ici. Donc 0, moins 2, moins 2, moins 2, plus moins l'infini, moins l'infini. Donc là, il n'y a pas de forme indéterminée, c'est direct. Donc on va écrire lim de f de x lorsque x tend vers 0 bien sûr 0 plus c'est égal à allez on va mettre 0 non on va pas mettre on va directement mettre moins l'infini bien sûr il faudrait le correcteur va attendre une justification donc c'est par somme hein. Par somme et produit par somme et produit. On a simplement utilisé comme opération des sommes et des produits. Bon, j'écris pas très bien. Je vois pas ce que tu veux Ensuite, dire par cette justification. comment? Par somme et produit, j'ai jamais entendu ça. Oh, c'est une façon, bon, c'est pour justifier de façon rapide sans passer trop de temps. Finalement, tu as dit que comme la limite de ça c'est 0, la limite de ça c'est moins 2. Et la limite de juste ça, c'est moins l'infini. Donc quand tu dis par somme et par produit, donc déjà tu as utilisé un produit pour faire ça. Donc tu dis que la limite de ça, c'est 1 demi fois moins l'infini. Donc entre guillemets moins l'infini. Donc là tu as utilisé un produit. Et après tu fais une somme parce que tu vas faire 0 moins 2 moins l'infini. C'est ça qu'on appelle dans les justifications quand on dit par somme et par produit. Voilà, c'est-à-dire que tu as juste utilisé des... les règles sur les sommes et produits de limites. Parce que les limites sont linéaires. Propriété de linéarité. Somme d'une limite, c'est la limite des sommes. Oui, voilà. Si tu Dans ce veux, cas-là, on il suffit juste de ramener la peut. limite de x et de ln de x pour connaître la limite de fx. Alors, ensuite, question 1B. Montrer que pour tout x appartenant à Comprends. 0 plus l'infini, on a OK, donc c'est juste un calcul de dérivée. Donc là, on a la dérivée d'une somme, donc c'est la somme des dérivées. Ça ferait donc f' Par de linéarité. x, pareil, par où c'est. Il y a la D'ailleurs, la limite. linéarité de la dérivée provient de la linéarité de la limite. C'est une Exactement. conséquence directe. Exactement. Donc ça nous ferait 1 moins 0, donc je vais même pas l'écrire, plus 1 demi fois 1 sur x. Donc là, il n'y a pas de problème spécifique a priori. Donc là, on nous demande, finalement, on veut mettre sous le même dénominateur,
Ce qui nous donne donc 1 c'est égal à 2x. Donc 2x plus 1 fois 1, ça nous fait 1 sur 2x. Est-ce que on devait avoir ça? Ok, c'est bon, on devait avoir ça. Question petit c. Étudier le sens de variation de f sur 0 plus l'infini. Donc là, bon, ben ça pareil, c'est très très classique. On va étudier le signe qui dit sens de variation de f dit signe de f prime. Et comme c'est une fraction, on va juste hop x. Donc, oula, j'ai pas très bien fait mon x. Nous, on le veut sur 0 plus l'infini. Donc 0 plus l'infini. On va calculer. Allez, les calculs peuvent se faire de tête. La racine pour 2x plus 1, c'est moins 1 demi. Hop, donc moins 1 demi, il est en dehors du tableau. Et la racine pour 2x, ça va être 0. Donc elle est déjà dans le tableau. Finalement, il n'y a rien à mettre dans la première ligne. Donc là, 2x. 2x et là. 2x plus 1. Donc là on a dit 0. Hop, hop. Donc vu que 2 est strictement positif, la fonction affine qui est liée à cette expression va être strictement croissante. Donc d'abord elle est négative puis positive, donc après sa racine elle est positive. Pareil, là on est après la racine donc c'est positif. Le produit, enfin le quotient des deux, c'est f' de x qui par quotient est nul ici et positif ici. Donc finalement la fonction f. La fonction f va être croissante. Hop. On essaie de faire un joli tableau. Hop. Ensuite, donc étudier le sens de variation de f. Voilà, donc f va être même strictement croissante sur 0 plus l'infini. Ok, bon, on ne demande pas de calculer f de 0, enfin la limite, si, bah, si on les a déjà calculées les limites, on peut les renseigner si on veut. Ah, je viens de voir que j'avais pas fait la deuxième limite, je suis allé trop vite, je suis allé trop vite, nous on veut la limite de f lorsque x tend vers plus l'infini, je vais réécrire, f de x égale à x. X moins 2 plus 1 demi de ln de x, mais pareil, là il n'y a aucun problème, il n'y a pas de forme indéterminée. Il n'y a pas de forme indéterminée ln de x, puisque ce morceau va tendre vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Ce morceau, pareil, va tendre vers ce morceau va tendre vers plus l'infini. Et par produit, 1 demi fois plus l'infini, ça fait toujours plus l'infini. Donc plus l'infini moins 2 plus l'infini. Ça va faire que la limite en plus l'infini va être plus l'infini. Donc là, on peut mettre les limites si on veut. Hein, pas obligatoire parce que c'est pas précisé de le faire. Et là, on a dit. C'était moins l'infini. Ok. Étudier la convexité de f. Donc voilà, on va utiliser une des. D'abord, on va effacer. Je vais juste garder f' de x. De toute façon, c'est écrit dans l'énoncé. Donc bien sûr, hein, pour étudier la convexité d'une fonction, on va utiliser sa caractérisation la plus utilisée, hein, qui va consister à calculer la dérivée seconde.
Bien sûr, il a plein d'autres caractérisations, mais bon, c'est la plus fréquente, celle qui utilise la dérivée seconde. On va étudier le signe de la dérivée seconde, donc je reprécise ce qui est dit dans la leçon. Si donc f seconde de x est positif si et seulement si f est convexe sur tel intervalle, hein, bien sûr, et f seconde de x est négative sur tel intervalle si et seulement si f est concave sur cet intervalle. On va donc calculer f seconde de x, c'est-à-dire la dérivée de f prime, f seconde de x. Donc là, on va avoir en quotient, allez, on va faire une rédaction qui est claire, donc ça va être u prime de x fois v de x moins u de x fois v prime de x sur v au carré de x, v de x le tout au carré. Et on va introduire nos notations où donc u de x égale v de x égale donc de mémoire c'est 2x plus 1 et ici c'est 2x donc Tu compliques tout là. u On prime disait juste que c'était égal à 1 plus 1 sur 2x. C'est beaucoup plus simple à dériver ouais aussi bon que ta fraction de deux polynômes. effectivement bon moi comme j'ai effacé ce que j'ai fait j'ai même oublié ce que j'avais fait avant bon allez j'ai commencé comme ça on va finir comme ça c'est pas grave si j'ai pas fait la méthode la plus rapide parce que peut-être que certains aussi avaient pas eu cette lucidité pendant l'épreuve du bac hein. Comme ça au moins on fait quelque chose de Quand tu as réaliste dérivé une première fois, tu n'avais fait apparaître qu'une seule fois un x Ouais, je me dans souviens. l'expression de la dérivée. Je me souviens. Donc, u prime, ça va être 2. Et là, pareil, 2. Donc, ce qui fait que ça va nous donner u prime v, donc 4x. 4x moins uv prime. Uv prime. Ok, donc ça va faire moins. Allez, moi je propose qu'on fasse la distributivité tout de suite. Ça fait moins 4x moins 2 sur vx au carré, donc 4x au carré. 4x au carré, ce qui nous donne tout simplement moins 2 sur 4x au carré. Bon, x au carré c'est positif, donc 4x au carré c'est positif, donc 2 sur 4x c'est positif, donc moins 2 sur 4x au carré c'est négatif. Et même comme ça peut pas être égal à 0, on peut mettre même aussi strictement négatif. Allez, on peut préciser car x au carré strictement positif. Bon, bien sûr, là ça peut pas être égal à 0 vu qu'on est sur 0 plus l'infini et 0 est exclu. Voilà. Donc on a dit que la dérivée seconde est strictement négatif. Donc c'est équivalent à, on va dire donc f est concave. Concave, c'est le contraire de convexe et concave. Et concave. Très bien, maintenant question 2a. Montrer que l'équation f de x égale 0 admet dans 0 plus l'infini une unique solution qu'on notera alpha et justifie que alpha appartient à l'intervalle 1, 2. Donc ça c'est pareil, très très classique, hein. Théorème, ça va être le théorème de l'abjection. Qu'on appelle aussi parfois le corollaire du théorème
théorème des valeurs intermédiaires. Ok, donc pour l'unicité d'une solution et l'existence de cette solution, il y a trois points à vérifier pour pouvoir appliquer le terme de la bijection. Moi, je vais mettre trois points, comme ça je me souviens qu'il y a trois points à faire. Premier, il y a besoin de vérifier que f est continu sur l'intervalle. Est-ce que f est continu sur cet intervalle? Oui. Oui. Donc il n'y a pas vraiment besoin de plus le justifier que ça, au moins de le vérifier. F est continu sur et continu sur 0 plus l'infini ouvert des deux côtés. 0 plus l'infini ouvert des deux côtés. Ensuite, deuxième point à vérifier, que 0 appartient à l'ensemble image de définition. 0 va appartenir à moins l'infini plus l'infini. Cet intervalle, en fait, hein, il correspond, je l'écris au cas où si c'était pas clair, il correspond à lim de f de x lorsque x tend vers moins tend vers 0 plus. Je vais quand même préciser 0 plus pour être rigoureux. À lim de f de x lorsque x tend vers on avait dit plus l'infini. Hop, hop. Et donc, troisième point à vérifier, c'est que f est strictement monotone. On l'avait vu tout à l'heure, qu'elle était strictement croissante. On l'avait dit quand on avait étudié le sens de variation de f, donc question 1C, f strictement. Strictement, bon, je ne l'écris pas en entier, monotone, c'est-à-dire strictement croissante. Monotone. Pareil, c'est toujours sur le même intervalle, 0, 1 ouvert des deux côtés, sur 0, 1, pas 0, 1, 0 plus l'infini, ouvert des deux côtés. Et voilà, donc là on a vérifié toutes les trois hypothèses du théorème de l'abjection. Donc après il faudrait écrire donc d'après le théorème de l'abjection. Il existe une unique solution à l'équation f de x égale 0. Ok, très bien. Maintenant, justifier que a, que alpha appartient à l'intervalle 1, 2. Pour le justifier, il suffit de calculer f de 1 et f de 2 et vérifier que f de 1 est plus petit, est strictement plus petit que 0, f de 2 strictement plus grand que 2, c'est-à-dire que f de 1 et f de 2 sont de signes contraires finalement. Allez, on va calculer f de 1 égale donc 1 moins 2 plus 1 demi ln de 1. Alors, 1 demi ln de 1, ça fait 0, donc ça fait 1 moins 2, c'est égal à moins 1. Ok, f de 2, c'est égal à. C'est égal à 2 moins 2, 0, plus 1 demi ln de 2. Donc ça fait 1 demi ln de 2. Ok. Ça fait ln de racine carrée de 2. Et si on veut ne pas utiliser de valeur approchée, on peut dire que ça c'est strictement plus grand que 0 car racine carrée de 2 est strictement plus grand que 1. Car a racine carrée strictement plus grand que 1. Ok. Donc maintenant il suffirait d'appliquer. Là, on écrirait comme phrase, il suffit d'appliquer le théorème de la bijection sur l'intervalle 1, 2. Bon, moi, je réécris pas.
Il suffit donc d'appliquer le terme de l'abjection sur l'intervalle 1, 2. Et ça permet de justifier que le alpha va appartenir à cet intervalle. Ensuite, question 2b, déterminer le signe de f de x pour x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Bah, c'est assez facile. Je vais effacer et je vais modéliser dans un tableau ce qu'on vient de démontrer. On va regarder dans un tableau ce qu'on a fait. Donc là, on avait dit 0 plus l'infini. Et là, on va avoir le alpha. Hop, je fais des traits rapides. Hop. Hop. On avait dit que la fonction f, elle était comme ça. Là, on avait précisé que c'était moins l'infini. Là, on a dit que c'est le 0. Il est là. Et là, on avait dit que comme limite, c'était plus l'infini. Bah donc, le signe, déterminer le signe, bah, f va être négatif sur l'intervalle 0 alpha et va être positif sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, f de x positif si et seulement si x appartient à moins non 0 alpha 0 alpha donc 0 exclu alpha non plus et en soi c'est fini hein, vu qu'on a écrit l'équivalence vu que on a écrit l'équivalence, ça implique que f de x est strictement négatif si seulement si x n'appartient pas à cet intervalle, c'est-à-dire appartient à l'intervalle 0 exclu plus l'infini exclu. Donc ça, c'est suffisant. Ensuite, question 2c, montrer que ln de alpha égale 2 facteur 2 moins alpha. Alors, comment on ferait ça? Comment on ferait ça? Donc, je pense que moi, je vais pas trop réfléchir. Je vais pas trop réfléchir. Je pense que c'est dû au fait que f de 0, que f de alpha égale à 0. Parce qu'on connaît que cette propriété concernant alpha. Donc, si f de alpha égale à 0, ça va être équivalent à alpha moins 2 plus 1 demi ln de alpha égale 0 si et seulement si donc il faudrait tout passer de l'autre côté ça ferait que 1 demi de alpha s'égale à 2 moins alpha 1 demi de ln alpha égale 2 moins alpha et que c'est équivalent à ln de alpha, c'est égal à 2 facteur 2 moins alpha. Ok, c'est bon, on a fini. Maintenant, il faut que je fasse une capture d'écran de la partie B. Puis il nous restera la partie C après et ce sera fini. Ok, donc partie B. Je suppose qu'elle est indépendante, même si je ne l'ai pas lu dans l'énoncé, que les parties vont être indépendantes. Hop, on revient dessus, on efface tout. Partie B, étude de la fonction g. Étude de la fonction g. Donc la fonction g est définie sur 0, 1 par g de x égale. Non, 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 ok. On a mis que la fonction g est dérivable sur 0, 1, on a du prime, ok. Calculer g prime, ok. Puis vérifier que ok donc c'est un calcul de dérivée petit 1 g prime de x donc on va dériver d'abord moins 7x fois x au carré ça va nous donner donc le 2 va devenir un coefficient multiplicatif ça va faire moins 7 quarts on simplifie direct hein. Moins 7 quarts fois x plus x, donc ça va donner plus 1.
moins 1 quart fois x au carré ln de x. Donc là, on va avoir un petit produit. Donc on va écrire moins 1 quart et on va se dire facteur toujours u prime de x fois v de x plus u de x fois v prime de x. Alors là, je détaille le calcul hein, en posant u et v, mais en général, quand je fais le calcul, je pose pas le u et le v, je fais directement le calcul de tête. Si vous savez faire le calcul de tête, bah, c'est tant mieux, mais je sais par expérience que les élèves de terminale ont énormément de mal à faire les calculs de tête lorsqu'ils calculent la dérivée d'un produit de fonction. Donc je conseille, en tout cas, moi je vous conseille d'abord de maîtriser ce calcul, le calcul de la dérivée d'un produit en posant. Et dès que vous êtes à l'aise, vous pouvez essayer de le faire sans poser la fonction u, sans poser la fonction v, et voir ce que ça donne. Alors donc j'ai fait. Donc, on a dit, on pose U et V. Alors, donc, U de X égale V de X égale. Alors, donc, ça fait X au carré et ln de X. Ln de X, donc. U prime de x égale donc 2x hein, facile v prime de x 1 sur x pareil facile hein, c'est à connaître par cœur 1 sur x. Allez, donc on continue le calcul. G prime de x c'est égal à moins 7 quarts 2x plus 1 moins 1 quart. Donc on a dit u prime v. Allez, on va mettre les parenthèses pour faire d'erreur. U prime v, donc 2x ln de x. 2x ln de x. Plus uv prime, donc plus x au carré fois 1 sur x, donc ça fait plus x. Allez, on simplifie direct, hein, pas besoin de pareil tergiverser. Moins 7 quarts x plus 1 moins donc 2 sur 4, hein, ça va faire moins 1 demi, moins 1 demi x ln de x moins x sur 4 ou moins 1 quart x donc moins 1 quart x moins 7 quarts moins 1 quart ça nous fait moins 8 quarts ce qui nous donne moins 2 moins 2x plus 1 moins 1 demi x ln de x. Ok, donc ça c'est bon, on a fini le calcul. Nous, on nous demande de démontrer que g prime de x égale à x fois f de 1 sur x. Donc pour ce faire, on va juste calculer à part, je tiens à rentrer, on va calculer à part x f de 1 sur x, x f de 1 sur x. Donc ça veut dire que le x, on va le remplacer par 1 sur x quand on va réécrire l'expression algébrique de la fonction f. Alors bon, bah, ça tombe mal parce que j'ai pas l'expression algébrique de la fonction f vu qu'elle était sur l'autre screen. Donc je vais la récupérer. Alors, donc je reprends l'expression, je reprends une capture de l'expression.
2F et je mets à côté. Allez, je le mets là. Allez, je le mets là. Donc, x fois. Donc, on va ouvrir les parenthèses pareil pour pas faire d'erreur. Donc, ça va nous donner 1 sur x moins 2 plus 1 demi ln de 1 sur x. Ln de 1 sur x. Je rappelle quand même que ln de 1 sur x, c'est égal à moins ln de x. Donc, allez, on peut faire directement la distributivité. X fois 1 sur x, bah, ça nous donne 1. X fois moins 2, moins 2. X. Et ça, on avait dit, ça va nous donner plus x sur 2. X sur 2 fois ln de x fois moins 1. Fois moins 1. Fois moins 1, hop, hop. Et bon, bah là, on constate que c'est exactement la même chose. Donc, on peut directement écrire égal g prime de x. Et là, c'est bon, là, ça conclut notre démonstration. Question 2. 2, 2 a justifié que pour x appartenant à l'intervalle 0, 1, alpha, 1 sur alpha, on a f de 1 sur x strictement positif. Ok. Ok. On va donc reprendre. Le tableau qu'on avait fait avant. Non, on ne va pas reprendre le tableau qu'on avait fait avant. Nous, en tout cas, ce qu'on avait dit, c'était que f de x est positif si et seulement si x appartient. On l'avait pas écrit comme ça, mais en tout cas, c'est une propriété qui est équivalente à ce qu'on avait écrit juste avant. Si et seulement si on appartient à alpha plus l'infini. Ok. Maintenant. Maintenant. Nous, on aimerait. Ok. Donc on va écrire x qui va être plus petit ou égal à alpha. On va passer à l'inverse, 1 sur x. Donc là on est en train d'appliquer une fonction qui est strictement décroissante. Ça veut dire que le sens de variation va changer. Hein. Attention. 1 sur alpha. Ensuite, on va appliquer la fonction f. La fonction f, elle est strictement croissante. Donc ça ne va pas changer. Ça va pas changer. Attention, donc tout ça c'est équivalent. Ça ne va pas changer le sens de l'inégalité. Donc ça va être plus grand ou égal à f sur m 1 sur alpha. Ensuite, on va revoir qu'est-ce qu'on a démontré juste avant. Donc, ça veut dire que ça, c'est égal à alpha. C'est-à-dire que c'est égal à alpha. Non, c'est égal à g prime. C'est égal à g prime de x
G prime de alpha. G prime de alpha sur alpha. G prime de alpha sur alpha. J'explique d'où est-ce que je sors ça. Hein. Nous, on sait que G prime. On sait que G prime de x, je l'explique pour ceux qui l'ont pas compris, G prime de x, c'est égal à f de 1 sur x. Ça veut dire que f de 1 sur x, en fait j'ai divisé par x des deux côtés, c'est égal à g prime de x sur x pour x différent de 0, bien sûr. Ok, donc c'est égal à g prime de alpha sur alpha. Ensuite, est-ce que déjà ça nous mène à quelque chose? G prime de alpha sur alpha, ça va nous donner moins de alpha. Ça va nous donner moins de alpha je suis en train de regarder un truc là x moins 2 ouais, moins 2 alpha plus 1 moins 1 demi alpha ln de alpha. Je sais pas du tout où est-ce que ça nous mène sur alpha. Sur alpha. Est-ce qu'on peut simplifier? Ça ferait moins 2 plus 1 sur alpha moins 1 demi ln de alpha. On aimerait que f de 1 sur alpha. Là, je suis en train de faire en fait n'importe quoi. Je suis en train de faire n'importe quoi. Ça, c'est complètement inutile. Je me suis inventé une life. Ça, on va effacer. Ça, on va effacer. On va écrire le but qu'on aimerait. On aimerait démontrer que f de 1 sur x. Je crois que là, je me suis juste complètement inventé une life. F de 1 sur alpha. F de 1 sur x est positif. Si et seulement si x appartient à 0, 1 sur alpha, 0, 1 sur alpha, donc ça c'est notre but. C'est notre but. Je vais l'écrire sous forme d'encadrement 0 x 1 sur alpha ok nous ce qu'on aimerait c'est faire apparaître un 1 sur x donc je vais continuer à ici ou je vais effacer carrément parce que ça j'en ai plus vraiment besoin j'en ai plus du tout besoin.
besoin. Hop, 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 hop. Ça, hop. Je réécris en haut. Allez, on réécrit en haut. Si seulement si. Donc là, j'aimerais passer à l'inverse. Donc ça veut dire que je vais. Donc l'inverse de 0 plus, ça va être plus l'infini. Donc déjà, ça va changer tous les signes. Je vais laisser ça comme ça d'abord, plus l'infini, parce que bien évidemment, on n'a pas le droit d'écrire comme ça. Mais on va dire que là, on est au brouillon. Donc l'infini de 1, de 0 plus, c'est plus l'infini. Donc 1 sur x, on passe à l'inverse. Bien sûr, comme on applique une fonction inverse, je le répète, on change le sens de l'inégalité. Et l'inverse de 1 sur alpha, c'est alpha. Ok. Ok. Donc, bien sûr, ce morceau, on n'a pas le droit de l'écrire comme je le disais tout à l'heure. Donc, on va juste écrire 1 sur x est plus grand ou égal à alpha. Ensuite, on va appliquer la fonction f. Donc, f, c'est seulement si. Donc, bien sûr, la fonction f, on l'a vu depuis tout à l'heure, elle est strictement croissante. C'est seulement si. Hop, est plus grand que si seulement si. Là, je me suis complètement perdu. Nous, on aimerait démontrer f 1 sur x est positif si seulement si, ok, ça appartient à 1 sur alpha. Donc si seulement si x est encadré par 0 et 1 sur alpha, on est passé à l'inverse. Si seulement si, du coup. Ah oui, non, mais là, je suis en train d'écrire n'importe quoi, là. Si seulement si. Si, non, non, c'est bon. Ok. C'est seulement si f de 1 sur x est plus grand ou égal à ok, mais en fait je suis retombé sur ce que j'avais fait avant. Ah non. Qui est en train de m'échapper. Il y a un truc qui m'échappe. Je vais tout effacer. Il y a un truc qui m'échappe. Est-ce que ça marche si je fais ça? Il y a un truc qui m'échappe. Je vais refaire le tableau de la fonction f. 0, alpha, plus l'infini. Donc ici, on avait dit c'était négatif. Là, ça atteint 0. Là, ça fait le plus. Et aussi en outre, alors, attends, trompé, c'est ici on met un x. On met un x ici, hop, ça c'est f, f, si, et si on avait dit c'était croissant, ça atteint le 0. Moins l'infini, plus l'infini. Allez, moi je propose qu'on réfléchisse calmement pour pas faire n'importe quoi. Alors, ok.
Déjà, ça vient du fait que f de 1 sur x est positif. Ça vient du fait que c'est équivalent au fait que f de x, c'est équivalent au fait que f de x est positif. Ça vient du fait que... Non, enfin, je me suis trompé. Je ne vais pas écrire ça. Je voulais écrire que le fait que de 1 sur x positif, c'est équivalent au fait que 0 sur alpha, que globalement tout ça c'est équivalent, que globalement tout ça c'est équivalent au fait que, après il faudra le démontrer bien sûr, hein, mais on peut mieux l'expliquer, que f de x est positif si et seulement si. Si seulement si, si seulement si on avait dit x est plus grand que alpha. En gros, il faut la repasser à l'inverse. Et voilà. Donc là, en fait, là, j'ai écrit ce qu'on avait, ce qu'on voulait. Donc maintenant c'est assez facile. Maintenant que je me suis donné une ligne directrice, je vais effacer ça. Donc ça on le sait. Pourquoi est-ce qu'on le sait? Parce que ça vient de notre tableau de signes, enfin de notre tableau de variation qu'on avait fait juste avant et on l'avait dit dans la partie A. Donc ça va être notre point de départ. On va dire f de x. Supérieur à 0, c'est équivalent. C'est équivalent au fait que x est supérieur ou égal à alpha. Maintenant, on va passer. On va poser grand X égale 1 sur x. Ce qui veut dire que on a aussi que f de grand x. On va poser, on va plutôt le faire comme ça. On va plutôt le faire comme ça. Hop. F de grand X. Hop, hop. Donc ça signifie que f de 1 sur x. Ouais, mais ça change pas du tout en fait. Ça change pas du tout. Attends, on va effacer. Ça change pas du tout. Ça nous fait tourner en rond. Moi, je pense que globalement tout ça, on va dire que tout ça c'est une propriété, c'est, on va dire que globalement tout ça c'est une propriété et on va dire qu'on va passer à l'inverse, que
Je vais regarder sur la calculatrice Moonworks. Je vais un petit peu m'aider. Alors. Par exemple. En fait, je sais même pas quoi taper sur la calculatrice Numworks. En fait, j'ai pas envie, j'ai pas, c'est pas la calculatrice que j'ai envie d'utiliser. C'est plutôt faire un schéma. Plutôt faire un schéma. Imaginons qu'on ait une courbe. On va dire une fonction qui fait comme ça. Là, on va dire que c'est le alpha. Fait, c'est juste un changement de variable, mais pas pourquoi dans ma tête ça bug. Dans ma tête ça bug. Dans ma tête, ça bug. Ça veut juste dire que c'est en fait c'est exactement ce que j'avais dit en tout à l'heure. Je sais pas pourquoi là, on va poser grand X. Sur x. On va poser plutôt petit x s'égale à 1 sur grand x. Donc ça veut dire que f sur 1 sur x supérieur ou égal à 0. Faire 1 sur x petit que 1 sur alpha, 1 sur alpha. Je sais pas pourquoi là je suis en train de bloquer. Vas-y, je vais passer à la question, à la partie C. On va dire que je suis trop fatigué. Hop. Question partie C. On va revenir sur Discord. Partie C. Il est déjà 22 h. Alors on a représenté, donc ça va, il n'y a que trois questions. 1A, 1B et question 2. On a représenté sur le graphique. Alors on va copier. Claqué, j'ai envie de dormir. Bon. Partie C, partie C, partie C. Je la referai au calme et avec du repos cette question 2B. Tac, j'efface. Image. Ok, c'est bon, ça prend. Alors,
Donc, ok, on aura pas mal de graphiques, une parabole d'équation, ok. On souhaite calculer l'aire A du domaine assuré compris entre les courbes CG et P. Ok. Ok. Justifie la position relative des courbes CG et P dans l'intervalle 0, 1. Ok. Donc position relative, il suffit de faire une soustraction. Ok, donc nous on aimerait faire la fonction g, j'ai oublié. On se met et le droit d'équation x égale 1 sur alpha et x égale 1. On rappelle que ln de a est égal à 2 sur 2 facteurs 2 moins alpha. Alors la fonction g, elle est où? Fonction g, elle est là. Alors, hop. Fonction g, elle est là. Donc on va faire moins 7 huitième x au carré plus x moins un quart x au carré ln de x moins donc moins 7 huitième donc plus 7 huitième x au carré, donc déjà ça va partir moins x, donc ça nous donne tout simplement moins un quart, j'ai oublié le moins un quart x au carré ln de x. Donc on est sur 0, 1, hein, je rappelle, donc sur 0, 1, c'est positif, ça c'est toujours positif, et ça c'est négatif. Donc négatif fois positif, ça veut dire que ça va être négatif. Ça veut dire que, donc ça c'est équivalent au fait que CG est en dessous de P. Est-ce que c'est bien? Alors là, il y a eu un petit problème. Ça veut dire que si c'est négatif, alors on revoit. X au carré ln. Ah non, c'est sur 0,1, c'est pas sur 1 plus l'infini. Donc j'ai dit des bêtises sur 0,1. Ça c'est négatif. Ça c'est pourquoi j'ai mis comme ça? Ça c'est négatif. Ça c'est négatif. Et ça c'est positif. Donc négatif fois négatif fois positif c'est positif. Donc là j'ai fait n'importe quoi. Hop, on efface, hop, donc c'est positif. Donc vu que cette différence est positive, ça veut dire que CG va être au-dessus de P, de la parabole P. Ok, très bien. Donc c'est fini, démontrer l'égalité. Donc l'intégrale de 1 sur alpha 1 x carré. Ok. Alors ça a l'air un petit peu difficile. On va faire donc l'intégrale. Ah oui, ok. Donc nous on veut faire x carré.
Nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va dire que moins un quart. Moins un quart x carré de x ln de x dx, ça va être l'intégrale de, alors on était de 1 sur alpha, 1 sur alpha à 1. On va dire que ça va valoir pareil, 1 sur alpha à 1. Finalement, ça va être l'air. Ça va être cette R que je vais mettre. Allez, je vais la mettre en rouge. Fail, je vais mettre du rouge. Ça va être cette R en rouge moins l'air que je vais mettre en vert moins cette R. Hop, 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 hop. Donc finalement, ce qui est en rouge, ça va être l'intégrale g, on va l'écrire en noir, g de x dx moins l'intégrale de, en fait c'est y dx, on va directement l'écrire. Moins 7, allez, on va réécrire d'abord les bornes, 1 sur alpha 1, moins 7 huitième x au carré plus x dx. Alors, là je commence à avoir vraiment très faim, donc je pense que je finis cette question et je vais aller manger après. Je vais quitter le stream. Ok, donc g de x. On va regarder comment est-ce qu'on peut dériver g de x. G de x, ok. Est-ce qu'on avait... Je vais juste regarder ce qu'on avait fait avant. On a démontré que... On a démontré que g prime de x. Ouais, mais on n'a pas une primitive de g, hein. Ah, on n'a pas une primitive de g. Ok. Ça veut dire qu'il va falloir faire... Si là, ça n'a pas marché. Ça veut dire qu'il va falloir faire peut-être une intégration par partie. Non, là, en fait, la direction dans laquelle je me suis dirigé, elle sert strictement à rien. Alors, hop, on va juste faire une intégration par partie, hein. On va juste faire une intégration par partie. Donc, on va dire 1 sur alpha 1. Alors on va dire u de x v prime de x dx, c'est égal à u de x v de x qu'on évalue en 1 sur alpha ici et 1 moins intégrale de u prime de x v de x dx.
peut-être même qu'il va falloir faire une double intégration par partie. Pour baisser à chaque fois, donc. On va poser. Allez, on va travailler au brouillon. On va se dire U', c'est x au carré, V, c'est. Non, on va dire. On va dire V prime c'est x au carré, U c'est ln de x, donc ça veut dire qu'on va avoir U prime c'est 1 sur x, et V, non là du coup c'est pas dans le bon sens hein, je crois. Je le fais à côté parce que ça va donner x puissance 3 sur 3. Et après, quand on va faire prime, ça va faire x puissance 2 sur 2. Si, c'est possible. X puissance 2 sur 2. Allez, on va écrire pour voir ce que ça donne. Ça veut dire que c'est égal à. UV donc x puissance 3 sur 3, x puissance 3 sur 3 ln de x, ln de x crochet 1 sur alpha 1 moins hop, j'ai oublié les bornes ici, hop, ensuite pareil 1 sur alpha. Ah, donc on a dit U prime V, donc ça ferait x au carré sur 3, x au carré sur 3 dx. Si ça va, on peut trouver une primitive. Nanana. Donc déjà ln de 1 ça fait 0, ça fait 0, donc ça fait juste 1 sur alpha au cube sur 3, donc ça fait 1 sur 3 alpha au cube ln de 1 sur alpha, donc moins ln de alpha. Ensuite, ça nous fait moins 1 tiers, et là une primitive de x puissance 2 c'est une primitive ça va nous faire je suis en train de bugger x puissance 3 sur 3 pareil crochet 1 sur alpha et 1 ce qui nous donne moins ln de alpha sur 3 alpha au cube moins 1 tiers. Allez, on va mettre des parenthèses pour pas se tromper. Donc ça fait 1 tiers moins 1 sur alpha au cube sur 3. Donc ça fait 1 sur 3 alpha au cube. Ok. Juste l'indication nous dit quoi? On rappelle que ln de alpha c'est égal à 2 facteur 2 moins alpha. Ok. Je vais continuer le calcul là-bas. On a dit que ln de alpha c'est égal à 2 facteur 2 moins alpha sur 3 alpha au cube.
3 alpha au cube. Ok, moins. Moins. Ah, ok, ça va nous faire moins un neuvième. Moins un neuvième. Plus 1 sur 9 alpha. Plus 1 sur 9 alpha au cube. Alpha au cube. Donc on va tout mettre sur 9 sur 9 alpha au cube. Donc il faut faire x3 au premier. Et je propose, vu que ici on a une forme développée, on va directement faire la distributivité. Donc il faut multiplier par 3. Ça nous fait 6. 6 fois 2, 12. Donc là, ça nous fait 1, 12. Ensuite, 6 fois 3, 6. Donc 6 fois moins alpha, moins 6 alpha. Ensuite, là, il faut faire fois alpha au cube. Donc ça va nous faire moins alpha au cube. Ensuite, là, plus 1. Ok. Hop. Donc ça nous fait 13 moins 6 alpha moins alpha au cube sur 9 alpha au cube. Voilà, donc il y avait à faire une intégration par partie, en déduire l'expression en fonction de alpha de l'air grand A. Donc l'air grand A, hein, je précise, on avait dit qu'il fallait faire qu'il fallait faire moins un quart. Il fallait faire moins un quart, donc il faut faire tout ça. Il faut faire ça. L'air de alpha, c'est ça, fois moins un quart. Et c'est fini. Ok, bon, moi je vais arrêter le stream. Allez, bon, bon courage à ceux qui vont le passer demain. Voilà, bon, j'ai rien d'autre à dire. Et retrouvez-nous sur le serveur. Je sais pas s'il y a encore des gens sur le stream, mais vous pouvez rejoindre notre serveur Discord, c'est Académie Arccos moins 1. Et je vais poster aussi sur YouTube la rediffusion. Donc pour avoir le lien de la chaîne YouTube, bah, rejoignez le serveur. Voilà. Donc bisous bisous et bonne chance pour demain.